ouverte. Nous devons d'abord élire un secrétaire ou une secrétaire de séance. J'ai reçu la candidature de Mme Fournier, ici présente. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord pour élire Mme Fournier comme secrétaire de séance? Oui. Pas d'opposition. Mme Fournier, vous pouvez faire l'appel. Monsieur Jean-Jacques Guillet. Présent. Monsieur Hervé Lièvre. Présent. Madame Armelle Tilly. Elle arrive, elle est fait une. Elle reçoit des jeunes mariés. Monsieur David Ernest. Madame Doriana Chevrier. Présent. Monsieur Michel Bess. Présent. Madame Anne-Louise Mésadieu. Monsieur Jacques Bisson. Présent. Madame Isabelle Chaillet-Mauvarin. Monsieur Hubert Panissal. Présent. Madame Bérangère Levavasseur. Monsieur Nicolas Tardieu. Présent. Monsieur Patrick Truel. Présent. Madame Annie Ray. Présent. Madame Corinne Savary. Présent. Monsieur Pierre Dubarry de la Salle. Présent. Monsieur Éric Chenu. Présent. Monsieur Luc Mauvarin. Présent. Madame Isabelle Dorison. Présent. Monsieur Walid Fegali. Présent. Monsieur Marc Girondeau. Présent. Madame Brigitte Pradé. Présent. Madame Mélanie Lallemand. Présent. Monsieur Paolo Antonio. Madame Nathalie Nicodème Saradjian, Madame Cindy Schweitzer, présent. Madame Monique Couteau, présent. Madame Catherine Fresco, présent. Monsieur Thierry Besançon, présent. Madame Isabelle Coste, présent. Monsieur Rodolphe Barbier, présent. Monsieur Cédric Turini, présent. Madame Ariane Ackermann, présent. Monsieur Jonathan Denuy. Bien, merci Madame Fournier. Nous avons adopté le procès-verbal de la séance publique de notre dernière séance le 26 février 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Ça a été transmis. Oui, Monsieur Barbier. Oui, merci Monsieur le Maire. Page 26. Antépénultième paragraphe, Monsieur Barbier regrette, etc. Où il y a marqué la totalité de la dette de l'autre. Alors je sais que c'est une obsession, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Il s'agissait bien sûr de la prime. Oui, je comprends. Oui, oui bien sûr, oui. Oui, c'est effectivement. Ça se comprend quand on lit le texte, mais enfin effectivement, une correction à faire. Bien, la correction sera faite et ce sera indiqué au procès-verbal de cette séance. Y a-t-il d'autres observations? Non. On peut considérer ce procès-verbal comme adopté? Pas d'opposition? Très bien, merci. Alors, quelques informations. Tout d'abord, la suite de la décision du gouvernement. Je vous signale que nous aurons, dans les jours qui viennent et dans les heures qui viennent, en fonction de ce que nous indiquera la préfecture, un certain nombre de décisions à prendre. En ce qui concerne la sécurité des bâtiments publics, de nos manifestations et de nos écoles. La sécurité, je ne sais pas à quel niveau on va mettre la sécurité exactement, c'est certainement un certain nombre de manifestations qui vont devoir être portées, peut-être, je ne sais pas encore lesquelles, c'est difficile à dire, mais enfin en tout cas, je vous le signale, ne soyez pas étonnés, mais évidemment vous serez informés en temps réel. Des décisions qui seront prises dès que nous aurons la déclinaison de ce décret par la préfecture. Pour le moment, nous n'avons pas encore toutes les informations. On n'a rien communiqué. Néanmoins, je préfère prévoir. Deuxième élément, tout d'abord, on va passer au procès verbal de la séance publique, tout simplement, du 26 février, on l'a adopté. Alors, deuxièmement, les manifestations qui se tiendront d'ici l'été. Nous avons le 4 avril les rencontres chamilloises rue droite ouest à l'hôtel de ville. Du 22 avril au 26 avril, place du marché, vous avez la semaine du handicap, avec des ateliers, des démonstrations, d'invitations, d'initiations, concerts.
cimetière à 10h le 28 avril, la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. À 12h15, devant le monument arménien, qui arrive droite, commémoration du génocide arménien, place Charles Aznavour. Dimanche 5 mai, nous avons le vide-grenier, garage, rue Charles Albi, docteur Darin et Paul Bert. C'est maintenant un vide-grenier traditionnel. Le 8 mai, bien évidemment, à 10h30, parvis de l'hôtel de ville, et ensuite cimetière, commémoration de la victoire du 8 mai 45. Vendredi 24 mai, à l'Atrium, le spectacle senior avec un opéra bouffe, l'élixir d'amour, qui sera présenté par l'association Accord Majeur, à laquelle participe brillamment une de nos élus, hein. J'espère qu'elle sera sur scène avec son violoncelle. Vendredi 31 mai, dans les différents quartiers de la ville, la fête des voisins. Le dimanche 2 juin, le quartier des Deux Forêts, le vide-grenier garage, rue Martial Boudet et Alfred Fournier. Le vide-grenier traditionnel également maintenant. Samedi 8 juin, au cimetière, la commémoration de nos morts lors de la guerre d'Indochine. Le dimanche 9 juin, au cas où vous l'auriez oublié, nous avons les élections européennes. Mais en même temps, le vide-grenier de Lurcine, on a Albert Perdreau. Hein, toujours un peu compliqué à concilier les deux, mais enfin, on va se débrouiller. Le 14 juin, j'emmènerai les seniors pour leur sortie annuelle sur les bateaux parisiens. Le 18 juin, face à la stèle du général de Gaulle, cours général de Gaulle, la commémoration de l'appel du 18 juin. Le 21 juin, nous avons la fête de la musique qui se déroulera dans différents lieux de la commune, comme l'année dernière. Samedi 29 juin, place du marché, nous aurons village en fête. Et au même moment, nous aurons le 29 et le 30 juin, le festival Sport Nature dans le complexe sportif Marcel Beck. Enfin, je vous précise que j'ai rencontré la commission la semaine dernière, qui a été nommée par le tribunal pour l'enquête publique sur le PLUI. L'enquête publique sur le PLUI se tiendra du 27 mai au 28 juin, c'est-à-dire du lundi 27 mai au vendredi 28 juin, soit au total 5 semaines. Il y aura une réunion publique, mais la date précise n'a pas encore été arrêtée. Il y aura une réunion publique à Chaville, comme dans les autres villes, évidemment. Et il y aura deux permanences par ville qui se tiendront à la mairie. Hein. Deux permanences qui se tiendront successivement. Il y a des jours qui ne sont pas encore déterminés, mais évidemment, toutes les informations sont données. Hein. Voilà, pour ces différentes informations... On va passer aux délibérations. Alors, si on résout le problème d'éclairage, c'est possible, merci. On a une série de délibérations qui concernent les finances de la ville, évidemment, à commencer par le compte financier unique, je vois mieux là. Merci, Michel. À commencer par le compte financier unique. Et ensuite, une série de délibérations, parmi lesquelles la fixation des taux de fiscalité directe et budget de la ville, une fois qu'on aura adopté 2-3 délibérations qui concernent directement le budget. Pour dresser le décor, on va d'abord voir le petit PowerPoint
que nous avons réalisé et qui permettra de mieux comprendre le sujet. Et je sais que les commissions, la commission s'est déroulée il y a quelques jours, a permis à Madame Ray de donner toutes les indications sur le compte financier unique et le budget. On répondra aux questions éventuelles après, lors de chacune des délibérations. Alors, tout d'abord, les grandes masses du fonctionnement. Les grandes masses du fonctionnement, elles révèlent quoi ? Je ne reviens pas sur les chiffres, hein, ils sont indiqués, vous les voyez. Un total de recettes de 38 380 439 budgétés. Nous avons prévu en 2023 37 357, dont réalisé 39 900 000. Et en dépenses, nous avons 34 400 726 093, auxquels il faut ajouter évidemment dotations et virements pour l'investissement, ce qui nous fait un total de 38 830 439 euros. Raisonnons sur une sur les dépenses. 34 726 493. 36 726 493 par rapport au budget de l'année dernière, ça nous fait une stabilité quasi totale. Il n'y a même pas 100 000 euros de différence, 90 000 euros de différence. Hein. Donc une stabilité totale des dépenses. En ce qui concerne les recettes, il y a effectivement une différence hein, non négligeable. On arrive à 38 830 000, mais cela tient évidemment à l'excédent antérieur reporté de 4 468 776 qui est un excédent cumulé puisque nous n'avons pas utilisé l'excédent, pas totalement du moins, l'excédent de 2022 dans l'exécution du budget 2023. Donc nous retrouvons avec un excédent antérieur reporté de 4 468 776 qui nous permet évidemment de compenser un certain nombre de dépenses auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est les grandes masses du fonctionnement. Les grandes masses de l'investissement. En recette, nous avons 5 884 807. En réalisé, c'est ce que nous indique le compte financier unique, hein, 5 667 757. Le prévisionnel était de 8 295 428. Mais un certain nombre de dépenses ont été décalées dans le temps, ce qui nous conduit à avoir un réalisé plus faible que ce que nous avions prévu. Un prévisionnel de 5 884 807 de recettes, ce qui, évidemment, les dépenses n'ont pas été aussi importantes que prévu, donc les subventions en particulier n'ont pas été notifiées, n'ont pas été aussi importantes que prévu, tout simplement parce que les travaux ont été décalés. Hein, simplement. Total recettes, nous avons 9 538 753. En dépenses, nous avons 9 462 348 hein, et un total de dépenses de 9 538 753. Si on ajoute le déficit antérieur reporté, qui est très faible cette année, puisqu'il est 76 405, ce qui nous conduit à ne pas, dans des proportions importantes, à ne pas utiliser en 1068. Les recettes que nous avons de l'excédent antérieur reporté immédiatement. Donc, un investissement qui est avec un résultat de moins 76 405 qui est indiqué, qui est extrêmement faible. On peut dire que l'investissement pour l'année 2023 est équilibré et en 2024, nous en bénéficions évidemment inévitablement. Pas de grands investissements cette année, on y reviendra tout à l'heure. Une évolution des charges à caractère général qui est évidemment impactée par les énergies. Alors c'est le cas évidemment pour 2023. 2022, il n'y a pas de différence fondamentale entre le compte administratif et le budget primitif. En 2023, comme vous pouvez le constater, le budget primitif 2023 était prévu à 8 200 000 pour les charges à caractère général, c'est-à-dire le chapitre 011, nous arrivons en définitive à 6 720 000. Pourquoi ?
On l'avait dit lors du débat d'orientation budgétaire, les dépenses énergétiques qui avaient été prévues pour le 2023 ont été moins importantes que prévues pour plusieurs raisons, et en particulier à cause de notre politique de sobriété énergétique. Ce n'est pas à cause des prix du gaz et de l'électricité qui ont été très élevés, mais à cause d'une politique de sobriété énergétique et évidemment à tous les efforts que nous avons faits au cours des différentes années sur la rénovation thermique des bâtiments qui aboutit à des résultats qui sont globalement positifs. En 2024, nous avons des charges à caractère général qui vont être de 7 450 000, qui comprennent toujours des dépenses énergétiques non négligeables, bien évidemment. Mais qui sont aussi impactés par un certain nombre de dépenses nouvelles qui n'étaient pas nécessairement prévues sur le long terme. C'est le cas pour la cotisation assurance dommages aux biens, plus 116 730. C'est le cas pour une indemnité dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel qu'on doit aborder dans les délibérations suivantes, 70 014 euros. C'est le cas pour tous les efforts que nous faisons pour la ressourcerie et en particulier pour le repère café qu'on inaugurera probablement fin mai ou début juin. Les travaux sont terminés, les travaux ont été faits entièrement par la ville, hein. La location notamment est assurée par la ville, donc ça fait partie des problèmes que nous avons à gérer avec Espace dans l'avenir d'ailleurs. Ce ne sera pas éternellement une dépense, hein, cela va de soi. Néanmoins, l'effort que nous réalisons pour la ressourcerie et donc pour la dalle des créneaux n'est pas négligeable, dans la mesure aussi où nous avons ajouté le pôle social, la présence du pôle social, la présence d'un certain nombre de services, en particulier le pôle senior, etc. Ça s'ajoute à différentes sommes que nous avions dépensé les années précédentes et qui sont donc nouvelles et qui sont des dépenses quelque part un peu exceptionnelles. Sortie périscolaire et classe externée, on a ajouté 42 677, c'est-à-dire un enrichissement de l'offre à la demande des familles, hein. Mais il faut être prudent aussi de ce côté-là, hein, parce qu'on ne peut pas non plus systématiquement dépenser, il faudrait aussi que les familles le comprennent de temps en temps. Augmentation de la prise en charge des tickets repas du personnel, 18 800 euros. Les frais de formation qui sont prévus pour le management, le renforcement de la sécurité informatique, et ça c'est important. Vous avez probablement vu qu'un certain nombre de collectivités et même l'État a fait l'objet d'une cyberattaque au cours des dernières semaines. Je ne pense pas que ce climat le cyberattaque soit atténué dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, hein. Quand il y en aura plus, hein, plutôt que moins, hein. Donc il faut être lucide et donc nous avons tout à fait intérêt à renforcer notre sécurité informatique, plus 43 380 euros. C'est la fin en principe du programme de sécurisation, c'est-à-dire que l'année prochaine on ne l'aura pas, hein, mais peut-être qu'il y aura d'autres éléments dans ce domaine, hein. Et puis nous avons évidemment les Jeux Olympiques, 30 327 euros. Jeux Olympiques et le développement des animations culturelles de façon générale, hein, pas simplement les Jeux Olympiques, mais enfin en grande partie les Jeux Olympiques, qui contribuent évidemment à l'augmentation des dépenses, l'augmentation des dépenses qui se manifeste en 0,11, mais qui se manifeste également en 0,12, puisque nous avons évidemment la nécessité de rémunérer le personnel qui sera mobilisé à l'occasion des épreuves des Jeux Olympiques qui passeront par Chaville. Et puis, on a évidemment des frais d'actes et de contentieux. Et plus les contentieux augmentent, plus évidemment, plus ça fait des dépenses. Mais je veux dire qu'on n'a pas beaucoup de contentieux. Les contentieux ont tendance à diminuer ces derniers temps. Et donc, il faut plutôt s'en réjouir. Donc, une évolution des charges à caractère général qui reste impactée par les énergies. Mais on voit que dans l'exécution, et on voit ça au compte financier unique, on a 1,3 million de crédits énergie qui n'ont pas été consommés. Je veux dire par là qu'on a fait des économies pour 1,3 million par rapport à nos prévisions. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Une évolution des charges du personnel dont on avait déjà parlé lors du débat d'orientation budgétaire. En 2023, on avait budgété 16 570 000.
Le compte financier unique nous donne 16 200 000. 16 200 000, ça reste dans les purs de ce qui avait été prévu à peu de choses près. Et il faut prévoir malheureusement 17 400 000, ce qui est une bonne chose pour le personnel dans une certaine mesure, hein, qui correspond à quoi, hein, 161 747 euros liés à l'augmentation du point d'indice, 155 000 euros liés au versement de la prime pouvoir d'achat dont on parlera tout à l'heure, 144 742 euros liés à la création de 4 postes en tout et pour tout, la contractualisation de 11 vacataires, on avait l'occasion de l'évoquer lors du débat d'orientation budgétaire, qui est importante de façon à pouvoir éviter toute précarité de l'emploi au sein des services de la ville. Je crois que tout le monde s'en réjouira. Un maintien des autres charges de gestion, ce qu'on avait budgété en 2023, c'est 8 810 000 euros pour les subventions et contributions versées. Le compte administratif, plutôt le compte financier unique, nous révèle 8 710 000, on reste en bien, et nous prévoyons pour le budget 2024 8 790 000, sachant que dans les subventions versées, il y a les subventions aux associations qui est, sont maintenues. Nous avons au 014, ça ne fait pas l'objet d'un slide, je vous prie de m'en excuser. Nous avons les dépenses correspondantes au FPIC et au FSRIF. Pour le FPIC, nous avons prévu 160 000 euros, ce qui a été a priori qui a été prévu. Il faut rappeler que ces 160 000 euros seraient 1 600 000 euros si on n'avait pas la prise en charge à 90% par GPSO. On se pose parfois la question, tout le temps, à quoi sert GPSO. Alors, on le sait quand même un petit peu pour la voirie, heureusement. Hein. On le sait également pour l'éclairage public. Hein. On le sait pour un certain nombre de choses, dont l'atrium d'ailleurs. GPSO intervient également pour la prise en charge du FPIC, c'est-à-dire du fonds de péréquation intercommunal, national. Hein. S'il n'y avait pas GPSO, on paierait 1 600 000. Hein. Je le rappelle. Parfois, on a un peu tendance à l'oublier. Malheureusement, l'année dernière, nous avons payé également le SRIF. Et le SRIF, on avait prévu 100 000. On a fait une décision modificative pour ajouter 63 000 euros, à peu près, si je me souviens bien. On a été amené à payer une somme que nous n'avions pas imaginé de payer. Nous ne l'avions pas fait les années précédentes. On n'était pas éligible. Parce qu'il y a un plafond, plus exactement, il y a un plancher qu'on n'avait pas atteint. Par définition, cette année, on ne sait pas encore si on est éligible ou non, mais il faut prévoir plus large. Pourquoi plus large? Il faut prévoir 241 000 euros qui viennent s'ajouter donc à les différentes sommes que je viens d'évoquer. 241 000 euros parce que si nous sommes éligibles cette année au SRIF, nous ne bénéficierons pas de la réduction qui était opéré pour les premiers versements pour le SRIF. C'est assez original d'ailleurs qu'il y ait des réductions, mais c'est bien en soi. J'aurais préféré qu'on garde la réduction pendant plusieurs années, mais ce n'est pas possible. Donc on aura 241 000 euros qui seront budgétés en espérant ne pas être éligible évidemment à ce fonds de péréquation qui est lui régional et non pas national. Une stabilité des recettes de fonctionnement, après toutes ces dépenses, effectivement, il faut des recettes. Une évolution des recettes réelles de fonctionnement qui est faible, puisque nous étions en 2023 à 24 600 000 euros d'impôts et taxes. Nous passons à 24 750 000 au budget, 20 de recettes au compte financier unique. Nous avons perçu en fait 25 090 000, mais il semble préférable de budgéter 24 750 000 tant qu'on n'a pas des rôles supplémentaires qui en général apparaissent, sont indiqués en juin, voire septembre, et c'est très difficile de faire des prévisions là-dessus, ou des prévisions exactes du moins. On peut faire des prévisions, la preuve, mais pas aussi exactes qu'on le voudrait. Dotations et subventions perçues. On est dans les mêmes eaux, hein. 484 prévus
budgété, 4,790 prévus pour 2024. On a perçu 5 320 000 l'année dernière. Les produits des services et du domaine qui représentent cette année, qui représenteraient cette année 3 500 000 euros. Alors il faut préciser que dans ce produit des services et du domaine, ça avait intrigué certains d'entre vous lors du débat d'orientation budgétaire qui disait ça pèse sur les familles. Non, ça pèse pas sur les familles du tout. À hauteur de 10% du budget, non, c'est ridicule. C'est une lecture erronée. Hein, par définition, ça peut arriver de se tromper. Hein. Les familles sont concernées au total par simplement 1 100 000 euros. 1 100 000 euros. C'est-à-dire 3,19% des recettes de fonctionnement. En tout et pour tout. Hein. Alors c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Hein. Mais si l'on. Elles seront impactées par la revalorisation des tarifs des services publics de 3,9% si le budget est adopté, ce que j'espère, ce qui fait une augmentation finale en recettes de 54 885 euros. Hein, c'est pas gigantesque non plus, mais le fait que les tarifs suivent l'inflation est parfaitement logique. Et je dis bien l'inflation de 2023, parce qu'on raisonne toujours comme ça. Hein, tout budget d'une collectivité publique, et même probablement des entreprises d'ailleurs, est fondée sur l'inflation antérieure. C'est l'inflation antérieure qui pèse, hein, c'est pas l'inflation future. Hein. Donc on raisonne sur l'inflation antérieure. Et si on augmente de 3,9% les tarifs des services, ça n'atteint pas le taux de l'inflation 2023, qui est, je vous le rappelle, de 4,9%. Alors on l'avait dit lors du débat d'orientation budgétaire, mais il est possible que ce problème n'ait pas été suffisamment compris. C'est pour ça que je me permets de le répéter. Les familles, les produits des recettes sur les tarifs des services destinés aux familles et simplement aux familles représentent en tout et pour tout 3,19% des recettes de fonctionnement. Le total de 3,50 comprend un certain nombre de recettes de services qui n'ont aucun rapport avec les services. Hein. La redevance d'occupation et de domaine public rentre là-dedans, par définition. Hein. Il y a la concession dans les cimetières, l'emplacement sur les marchés, les terrasses, enfin, etc., etc. Les tournages de films. J'ai encore été contacté récemment pour des tournages de films, des prestations culturelles, etc., etc. Alors, sur le plan fiscalité, ce qui est proposé dans ce budget, c'est pas d'évolution des taux et une fiscalité plus verte. C'est intéressant d'ailleurs. Alors, vous avez sur le slide là, l'évolution des taux depuis 2002 et vous constatez qu'il n'y a pas une évolution très importante. Hein. Nous arrivons en 2024 en ce qui concerne les taux communaux et strictement communaux. Hein, parce que, évidemment, si on ajoute les taux ex-départementaux ou les taux ex-communautés d'agglomération, ça fait un peu plus. Mais nous arrivons à 18,11%, ce qui est plus faible que ce que nous avions en 2011, puisque nous étions à 19,67%, ou même en 2012, nous avions 18,68%. 18,11%, donc, avec, je ne proposais pas d'augmentation des taux en 2024, de façon justement à ne pas peser sur le pouvoir d'achat des familles. On l'avait adopté lors d'un an à peu près, une exonération de taxes foncières, oui, exactement un an, une exonération de taxes foncières en faveur des économies d'énergie, qu'on avait voté donc l'année dernière, qui précisait que 50% de la taxe foncière pouvait être exonérée pendant 3 ans en fonction des travaux qui étaient réalisés par les foyers en matière de rénovation thermique. Alors, il est intéressant de s'apercevoir que ça a été transmis par la direction générale, direction départementale des finances publiques, que 26 foyers chavillois ont utilisé cette possibilité. Ce qui est bien, c'est très bien.
26 Chablois sont manifestés pour utiliser ces possibilités. Ça fait une recette en moins pour la ville, certes, mais une recette en moins qui est faible, de 15 135 euros. Et le signal donné pour ça au foyer chavillois est particulièrement utile. Et je crois qu'il faut véritablement s'en réjouir, même si ça coûte un peu à la ville, par définition. Donc, pas d'évolution des taux et une fiscalité plus verte, qui j'espère sera de plus en plus verte. Cette disposition sur la réduction, l'exonération de moitié ou totalité de la fiscalité sur la taxe foncière est maintenant va devenir, pas encore, c'est pas encore fait, mais ça va devenir de droit, avec la possibilité évidemment pour les communes de le refuser. Mais là, nous, on a fait un pas positif et non pas un pas négatif, hein, en décidant nous-mêmes cette disposition. Et je crois que c'est une bonne chose. Le produit de la taxe foncière par habitant est faible, et je tiens à le dire parce que on dit tout et n'importe quoi. Hein. Ça, c'est les chiffres de la Direction générale des finances publiques. Hein. Nous avons un chiffre pour 2023 pour la taxe foncière. Je ne sais pas où est marqué Chaville, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, troisième, là, c'est la troisième. C'est la troisième commune. On arrive à un produit de taxe foncière par habitant de 520 euros par habitant. C'est le troisième pour tout l'ensemble des Hauts-de-Seine. Hein. Avant nous, il y a Asnières et Clamart, pour des raisons que je ne connais pas bien. Hein. Je ne vais pas vous indiquer pourquoi. Mais 520 euros par habitant, nous sommes dans la strate des 20 000, 50 000, les plus bas des Hauts-de-Seine, dans la strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants. Alors c'est particulièrement intéressant, et je crois qu'il faut également là s'en réjouir, parce que tout ce qui est fait ainsi dans le domaine des taxes et des tarifs et des impôts bénéficient aux habitants et aux familles et renforcent l'attractivité de la ville. Et je crois que c'est important. Ou à un moment où justement la population a tendance à diminuer. J'insiste là-dessus parce que on a également, et ça c'est moins public par définition, parce que on le voit moins sauf sur les feuilles d'impôt, un produit de TOM par habitant qui est le plus faible des Hauts-de-Seine. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hein, c'est ça la TOM, hein, est le plus faible des Hauts-de-Seine. Hein, c'est le premier à gauche, là. Il est de 89 euros par habitant. Le plus fort, c'est Clichy avec 156 euros par habitant. Et même Boulogne-Billancourt, qui est la GPSO, 153 euros par habitant, etc. etc. Donc il faut le souligner que le cumul, c'est sur la même feuille d'impôt, hein, le cumul taxe foncière et TOM est probablement le plus faible des Hauts-de-Seine, et en tout cas le plus faible de la strate. Des 20 000 à 50 000 habitants. Hein. Et ça, c'est pas négligeable. Et je pense qu'il faut le souligner, et je compte sur vous, bien entendu, pour insister là-dessus auprès des habitants. Hein, ça. Je ne doute pas que vous vous réjouissiez avec nous ce résultat. Les projets pluriannuels de rénovation thermique des équipements, là, on passe aux investissements. Nous avons, on va en parler tout à l'heure, les crédits de paiement 2024 et les crédits de paiement 2025 pour un certain nombre d'opérations qui sont programmées. Ferdinand Buisson, hein, pour 1 056 560 000. La requalification du site Manérol en 2024, 1 550 000. C'est en 2025, en fonction du retard pris, en fonction de deux recours gracieux sur lesquels nous avons dû nous pencher, c'est en 2025 que l'essentiel des dépenses sera faite pour 4 430 000. La rénovation énergétique du site du Muguet, 160 000 euros, là aussi c'est en 2025, qui va être une année forte au point de vue investissement. Certains avaient pensé que les investissements étaient en baisse
à Chaville. C'est vrai qu'ils ont été en très forte hausse au cours des 10 dernières années, hein, je le reconnais volontiers. Hein. Et d'ailleurs, la ville, aujourd'hui, en bénéficie, hein, ça va de soi. Mais évidemment, les investissements ne peuvent pas toujours être systématiquement à la hausse. Mais là, en 2025, on va avoir des investissements importants. La rénovation énergétique du site du Muguet, et donc la démolition et reconstruction de la crèche La Chaloupe, 880 000 cette année, 1 410 000 l'année prochaine. Le coût hors subvention notifié et demandé avec la région, le département, la CAF, la DSIL, ça c'est l'État, la métropole du Grand Paris, le CIGEF, etc. On arrive à 4 150 000 euros de crédit de paiement en 2024, crédit de paiement 2025, 6 580 000. Ce sont des coûts hors subvention. Les subventions arrivant petit à petit. On a eu il y a quelques 15 jours à peu près l'information, c'est pas encore notifié au sens strict du terme, enfin c'est une information qui vient directement de la présidence, hein. La notification de l'acceptation du contrat régional, hein. L'acceptation du contrat régional à son plafond, hein, c'est-à-dire 1 million d'euros pour la cuisine centrale. Nous avons demandé, et on l'aura de façon vraisemblable, une subvention également à peu près du même niveau à la métropole du Grand Paris. Et on a un certain nombre d'autres subventions ont été notifiées. Donc les crédits de paiement qui sont indiqués ici sont présentés hors subvention. Le financement prévisionnel des investissements, nous avons un autofinancement qui représente 38,3% de l'ensemble. Il n'y a pas véritablement de cession cette année. Emprunt d'équilibre, autofinancement complémentaire, on aura un emprunt d'équilibre qui représentera 30% de l'ensemble du financement. Sachant que l'emprunt d'équilibre qu'on avait inscrit l'année dernière, qui était un peu moins important que celui de cette année, n'a pas été utilisé. Mais l'année dernière, on n'a pas utilisé l'autofinancement. Alors que cette année, on va utiliser aussi l'autofinancement, on a la possibilité. Hein. Les dotations que vous voyez, les subventions d'investissement représentent dans le schéma actuel, hein, on en aura plus, 20% de l'ensemble, et autres. Une bonne capacité de désendettement, je crois qu'il faut insister là-dessus. On est actuellement avec une annuité pour 2024, hein, d'1 715 492 euros. Ça correspond très exactement à l'objectif que nous poursuivons depuis plusieurs années. 1 million, ça te prend. Pourquoi on poursuit cet objectif? Parce qu'au-delà de 1 700 000, 1 800 000, disons, au-delà de ça, le risque, il est réel pour la fiscalité. Notre objectif, évidemment, est de faire en sorte que la fiscalité pèse le moins possible sur les habitants. De façon à éviter de se substituer la fiscalité à l'autofinancement, nous avons plafonné l'annuité, les objectifs d'annuité à 1 700 000, 1 800 000 maximum. On est dans les clous. Le capital restant dû au 1er janvier 2024 est de 12 296 952. Il est très inférieur à ce qu'on peut trouver dans d'autres communes. Hein. Moi, je regardais les chiffres, par exemple, à Sceaux, qui est une commune assez proche à tout point de vue, pas simplement géographiquement, hein, mais également par le nombre d'habitants. Hein. C'est 20 000 habitants, Sceaux à peu près. Le taux le montant de l'endettement est de 56 millions. Hein. Ça fait une différence. Et les impôts sont élevés. Hein. Donc, ça fait quand même une sérieuse différence. Hein. Le pourcentage de désendettement d'ici 5 ans achève d'être 49%, alors que le seuil minimal observé pour les collectivités, c'est 31%. Et le pourcentage de désendettement d'ici 10 ans, c'est 74%. Le seuil minimal est de 55%. Donc une dette saine et sans risque majeur, il faut insister là-dessus,
sachant que là aussi il y a eu des discussions sur quelle est la meilleure formule, taux variable, taux fixe, etc. 58,90% capital restant dû qui est à taux variable, 36,03% de capital restant dû qui est à taux fixe, 5,07% de capital restant dû à taux structuré, qui ne présente pas de risque particulièrement par les experts que nous consultons et qui nous assistent d'ailleurs dans notre politique de dette, dont la 95% de la dette qui est classée en A1. C'est le meilleur classement selon la charte Gisler de bonne conduite. La charte Gisler, c'est ce qui fait référence en la matière. Simplement, on a un emprunt fonds vert, on en avait parlé, je crois, lors du débat sur l'organisation budgétaire. On a un emprunt fonds vert de la Caisse des dépôts qui est indexé sur le livret A. Alors, évidemment, c'est à taux variable. Mais pourquoi on a pris cet emprunt fonds vert de la Caisse des dépôts? On l'a pris pour la rénovation, la réhabilitation d'Anatole France. Il y a quelques années, je m'étais rendu à la Caisse des dépôts d'Île-de-France pour le négocier. On a obtenu un différé d'amortissement de plusieurs années qui nous permettait d'engager les travaux sans pour autant avoir remboursé en même temps. Et ça, c'était quand même particulièrement précieux. Et le fonds vert de la Caisse des dépôts qui nous était proposé, il était obligatoirement indexé sur le livret A. Voilà, il n'y avait pas de solution. Mais le taux de la livret A, il est figé à 3% jusqu'au 31 janvier 2025. Je ne sais pas quel sera l'avenir du taux du livret A. Je ne suis pas certain que le gouvernement ait tendance à vouloir systématiquement le monter. Je ne sais pas pourquoi, mais le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est ennuyeux pour les détenteurs de livret A, les épargnants, et en particulier les petits épargnants, c'est dommage. Je dirais, dans une certaine mesure, on en bénéficie, puisque nous avons un taux qui reste quand même relativement faible. Et il représente cet emprunt, à lui tout seul, 34,77% de la dette. Donc, ce qui explique le caractère variable d'une partie de celle-ci. Nous avons fait, encore une fois, cette année, évidemment, une évaluation climat du budget 2024, sachant qu'elle sera complétée par le budget carbone que nous sommes en train de mettre en place. On reste dans des proportions qui sont voisines, sachant qu'on améliore un peu, et c'est une bonne chose, puisque nous passons très favorable ou favorable de 11% à 15% des dépenses. Enfin, le gros paquet, c'est évidemment, c'est le gris, c'est-à-dire le neutre, mais c'est relativement logique dans l'évaluation I4 CE. Alors, on a des pistes d'amélioration du budget climat dans les années à venir. Peut-être que Mélanie Lallemand pourrait nous dire un mot là-dessus, non, Mélanie ? C'est bon ? Dans les pistes d'amélioration, il y a déjà pouvoir mieux qualifier les dépenses pour baisser la part d'indéfini, pour faire en sorte qu'on puisse la qualifier soit en favorable, soit en défavorable. L'objectif, bien évidemment, c'est d'augmenter la part des dépenses favorables ou très, très favorables. C'est, par exemple, si je prends la nourriture, ça peut être baisser la part de la nourriture carnée dans la nourriture qui est servie. Ça va être également, si je prends les bâtiments, poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin bref, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en œuvre favorables pour le climat. Et donc, l'objectif du budget climat, c'est de pouvoir valoriser la part des dépenses favorables ou défavorables, sachant que l'objectif, c'est bien sûr d'augmenter la part du favorable et très favorable. Merci, Madame Lallemand. Je reviens deux secondes sur la dette et sur les emprunts futurs, éventuellement. Mais il y aura toujours des emprunts par définition. C'est que la politique de la Banque Centrale Européenne, comme celle de la Fed, d'ailleurs, la Federal Bank américaine, qui travaille évidemment en étroite harmonie en ce moment, et
et prévoit une baisse des taux dans les mois qui viennent. Et donc, il faut se préparer à une baisse des taux. On a prévu un emprunt, certes, mais on n'a pas l'intention de le mobiliser ni rapidement, ni bien sûr totalement. On verra ce que se fait dans l'exécution budgétaire. Il faudra avoir, en fonction des chiffres que je viens de vous indiquer, une exécution budgétaire très rigoureuse. Très rigoureuse. C'est indispensable. Mais ça, ça a toujours été la politique de la ville, quelles que soient les années. Et donc, on continuera dans ce sens. Arriver à faire quelque chose bien, tout en ayant moins de laxisme financier, est évidemment a toujours été l'objectif que nous poursuivions. Donc, si on peut bénéficier de taux plus favorables dans les mois qui viennent, ben, je dirais tant mieux, tout le monde s'en réjouira. Voilà. Voilà, mes chers collègues, pour cette présentation générale. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur cette présentation générale, sinon on passe tout de suite au compte financier unique, c'est-à-dire à chacune des délibérations qui concernent le budget. Il n'y a pas d'intervention ? Très bien. Alors, compte financier unique, Madame Ré. Oui, le compte financier unique. Bon, je pense que je vais rappeler les grandes masses, puisque Monsieur le maire a fait quand même une présentation. Je vous laisserai le soin de poser des questions si nécessaire. Bon, les grandes masses de ce compte financier. Alors déjà, ce compte financier unique, sa particularité cette année, on y a adhéré, à titre d'expérimentation, et comme on fait chaque année, chaque fois qu'il y a des nouveautés, on y va de façon à anticiper et à faire les choses plus simplement que si on s'y résolvait le moment venu. Donc c'est un document donc unique qui reprend à la fois l'ancien compte administratif et toute la partie compte de gestion du trésorier. Donc nous n'avons plus à voter le compte de gestion, vous avez dû vous en rendre compte. Et dans son document, on a l'aspect des états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait un compte administratif, et puis toute la partie qui était dans les entreprises, le bilan, on ne le voyait pas. Là, vous l'avez dans la brochure, si vous voulez vous y reporter. Donc, c'est un document très complet. Donc, ce compte financier nous montre donc des recettes à hauteur de 36,3 millions, avec un excédent reporté de 3,5 millions, donc des recettes pour 39,9 millions euros, et des dépenses donc de 35,4 millions, donc un résultat de gestion de 4,468 millions. Et je préciserai que le résultat de l'exercice est de 920 000 euros. En ce qui concerne l'investissement, donc nous avons des recettes à hauteur de 8,5 millions, des dépenses de 7,7 millions et un déficit reporté de 883 000 euros. Donc, des dépenses totales de 8 592 000 euros et un déficit de la section d'investissement de 76 405. Avec le jeu des restes à réaliser, les résultats de la section d'investissement sont positifs à hauteur de 248 344. Donc, en section de fonctionnement, les charges à caractère général se sont élevées à 6,7 millions, alors qu'on avait des crédits budgétés à hauteur de 8,2 millions. Comme M. Blair vous l'a précisé, en fait, la différence tient essentiellement à l'économie sur les fluides, puisqu'on avait budgété 3,2 millions et en fait, on a consommé que 1,8 millions. Pour les autres dépenses, elles évoluent d'à peu près 9%. Donc, dans le rapport, vous avez par secteur d'activité les dépenses réalisées. Donc, dans le secteur éducation, jeunesse, loisirs et sport, les évolutions significatives tiennent notamment à l'augmentation au coût de location du gymnase Doumègue, pour lequel nous avons dû payer en une seule fois trois exercices pour 58 000 euros. Et on verra qu'en 2024,
l'allocation augmente double, passe de 6 000 à 14 000. On a également l'augmentation des classes externées, parce qu'il y a eu plus d'enfants qui ont participé. Les activités d'accueil le mercredi, donc ça fait 27 000 euros de plus. L'augmentation des prestations de nettoyage dans les écoles. En ce qui concerne culture, animation, vie locale, donc nous avons une augmentation de 126 000 euros par rapport à 2022. C'est essentiellement dû à des travaux d'entretien de l'atrium pour 33 000 euros. Nous avons, dans ce chapitre, dans ce secteur, les prestations d'infographie sont payées maintenant en honoraires et plus dans les RH, donc 34 000 euros. Bien sûr, les manifestations qu'organise la ville se sont maintenues avec des augmentations qui sont dues, qui sont normales, on va dire. En secteur famille, action sociale, santé, les dépenses ont augmenté de 54 000 euros par rapport à 2022. C'est essentiellement dû à des travaux dans les établissements de petite enfance pour 13 000 euros. Il y a le CCAS a déménagé, donc les travaux d'aménagement des nouveaux locaux ont coûté 8 000 euros. Nous avons l'allocation des locaux du Ripper Café pour 3 800 euros, donc c'est une année partielle, puisqu'une année complète, je crois que c'est à peu près 30 000 euros. Nous avons les honoraires de la psychomotricienne pour 14 000 euros. Oui, enfin, je vous cite les choses qui sont un peu... On n'est peut-être pas obligé de tout détailler. Oui, je vois pas d'inconvénient. Je préfère qu'on me pose des questions. Ça a été très bien exposé en commission. Oui, absolument. La plupart des commissaires sont là. Donc ils ont entendu déjà. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte financier unique ? Non ? S'il n'y a pas d'observation, on peut passer au vote, mais dans ce cas, vous allez accepter que je me retire, l'application de la loi. Oui, madame. Oui. Néanmoins, j'avais une petite remarque à faire par rapport à l'intervention de M. Turini, le dernier conseil municipal, qui reprend un peu le compte-rendu, estimait que nos dépenses de fonctionnement, malgré le fait qu'on dise qu'on imposait une maîtrise des dépenses, évoluaient à la hausse de façon très sensible, et donc avait évoqué des montants 30 millions en 2020, 31-21, 34 en 22, et donc je me suis un peu reportée sur les situations antérieures. Et en fait, je voulais quand même intervenir parce que je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça et dire que les dépenses de fonctionnement évoluent de façon non maîtrisée. Je pense déjà que dans les chiffres que vous avez évoqués, M. Turini, vous avez pris le volume global du budget sans tenir compte des dépenses d'ordre qui impactent le volume d'une année sur l'autre de façon différente, puisque dans ces dépenses d'ordre, il y a notamment... le virement à l'investissement, les écritures de cession, quand il y en a. Et donc ça modifie l'appréciation qu'on peut avoir du volume du budget d'un année sur l'autre. Et moi, j'ai pris plutôt le réalisé depuis 2019. Et j'ai pris les dépenses réelles. Nos dépenses réelles depuis 2019, en 2019, c'était 27,4 millions. En 2020, 28,1 millions. En 2021, 28,2 millions. En 22, 29,5 millions. Et là, je dirais que c'est parce que nous avons eu l'impact du GCSMS qui représente à peu près 700 à 800 000 euros. En 2023, 32,6 millions. Là, on vient de vous présenter le compte administratif. Et les 3 millions d'augmentation, c'est dû à l'énergie, c'est dû aux frais de personnel liés aux mesures gouvernementales. Et donc, globalement, les dépenses réelles ont augmenté entre 2019 et 2023, effectivement de 19%, mais incluant ces 3 millions de 2023 de dépenses importantes et indépendantes de l'énergie, entre autres.
Alors après, on a effectivement des dépenses d'ordre qui, elles, ont varié différemment, comme je vous le dis, d'une année sur l'autre, puisque c'est lié aux écritures de cession, au virement à l'investissement. Donc je voulais intervenir là-dessus pour en fait, que tout le monde soit bien conscient qu'il n'y a pas de dérive de dépenses de fonctionnement et que vous avez pris en compte des chiffres qui ne sont pas le reflet réel de la situation, monsieur le maire. Précision, madame Ré. Bien. Pas d'observation, pas de questions. On peut passer au vote. Monsieur Turini, vous voulez parler ? Excusez-moi. Après, monsieur Turini. J'ai votre micro parce que je pourrais ne pas vous entendre. Ouais, il arrive. 1, 2, 1, 2. Merci. Bonsoir. Alors, je n'ai pas employé le terme de dérive, me semble-t-il, mais si je l'ai fait, il faut me corriger. Hein. J'ai pas pointé de dérive. J'ai pointé une augmentation sensible des dépenses. Donc, vous dites plus 19%, vous le confirmez, d'une part. J'ai pointé également dans ces dépenses, d'ailleurs on le voit, hein, sur hors ce que vous appelez effectivement un virement à la section d'investissement, opération d'ordre, on le voit entre 2022 et 2023, on passe de 29,5 à 32,5. Voilà. Et j'ai pointé également une hausse significative dans ces charges de fonctionnement des dépenses de personnel. Donc j'ai les chiffres aussi devant les yeux, je les ai repris un par un année après année. On est passé de 13,7 en 2020 à 17,5 en 2024. Voilà. Donc je n'ai pas voulu être alarmiste. J'ai pointé une réalité qui me semblait contredire le vocabulaire utilisé dans le rapport d'orientation budgétaire. Et d'ailleurs, je me questionne sur l'utilité de ces rapports d'orientation budgétaire, puisqu'on y trouve des chiffres qui sont quand même pour certains et pour un certain nombre très différents de ce qu'on retrouve ensuite dans le rapport financier unique. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le nombre d'effectifs. Donc le nombre d'agents, vous reprendrez le document d'orientation budgétaire, vous avez un nombre différent que celui qui va nous être présenté ce soir. Et j'avoue que année après année, on a de plus en plus de mal à suivre la réalité des chiffres que vous nous présentez. Voilà, c'était seulement l'objet de mon intervention la dernière fois. Monsieur Turini, en ce qui concerne les effectifs, on en parlera tout à l'heure lors du tableau du personnel, du tableau des effectifs, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de... Il peut y avoir effectivement des confusions, hein, c'est possible, hein, mais ça, personne ne peut vous en vouloir. Hein. Il y a marqué, si je me souviens, pour les effectifs, il y a marqué 418 agents dans le rapport d'orientation budgétaire. Alors 418 agents, ça comprend tout le monde, ça comprend y compris les vacataires. Et quand on parle des vacataires, on en parlait tout à l'heure éventuellement, mais quand on parle des vacataires, un intervenant au Forum des Savoirs, c'est un vacataire. Il faut bien le savoir. Donc, le fait de vouloir absolument intégrer tout le monde dans votre raisonnement est évidemment une façon de détourner un petit peu les choses. Et c'est dommage. Il n'y a pas évidemment 418 agents permanents à la ville. Ça va de soi. Bien, s'il n'y a pas d'autre observation, on peut passer au vote. Mes chers collègues, nous sommes invités à approuver le compte financier 2023 présentant à la clôture un excédent de fonctionnement de 4,4 millions, un déficit d'investissement de 76 000 euros, reconnaître la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement en dépenses 1 129 000, en recettes 1 454 000, arrêter les résultats définitifs du compte financier unique 2023 avec un excédent de fonctionnement de 4 469 000 et un excédent d'investissement de 248 344. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Donc, nous reconnaissons ces comptes et nous les arrêtons de même. Et nous les approuvons. Enfin,
et je vous remercie. Et nous pouvons rappeler Monsieur le maire. Ben oui, il faut lui dire que... Merci pour ce vote. Et nous allons passer aux différentes délibérations précédant le budget lui-même. Alors tout d'abord, l'affectation des résultats de l'exercice 2023, Madame Rey. Oui, donc il convient donc de reporter... Dans la mesure où la section d'investissement est bénéficiaire, on peut donc affecter le résultat de fonctionnement à la section de fonctionnement. Donc il s'agit de reporter au budget 2024, au compte 002, en recettes de fonctionnement, la somme de 4 468 776,13 et d'inscrire au budget 2024, au compte 001, en dépenses d'investissement, le déficit d'investissement constaté de 76 405,56. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Madame Rey. Des observations ? Non ? On peut passer au vote. Avis contraire ? Abstention ? Alors, 4 abstentions. Adopté. Compte administratif de la régie culturelle, Madame Rey. Oui. Donc, la régie culturelle, donc là, il s'agit donc du compte administratif de la régie qui a donc été dissoute. Au 31 décembre 2023. Donc, ces comptes présentent les soldes suivants. Recettes réalisées en exploitation 1 275 201,37. Dépenses réalisées 1 233 918,59. Résultat net de l'exercice 41 282,78. Il y avait un résultat antérieur négatif de 1 266,37. Donc, un résultat cumulé à fin 2023 de 40 016,41. En investissement, les recettes sont à hauteur de 8 226, il n'y a pas de dépenses. Il y avait des reprises de résultats antérieurs pour 3 256,42, donc un résultat cumulé à fin 2023 de 11 482,42. Donc, en exploitation, en chapitre 011, les dépenses sont élevées à 596 142,97. Les principales dépenses, c'est le cinéma pour 82 475 et les spectacles pour 225 893, ainsi que les remboursements à la ville des coûts des fluides, des frais de télécommunication, de l'entretien des locaux pour 186 652,54. Et la CFE 36 595, dont il n'y aura plus à payer en 2024, puisque devenant un budget annexe, il n'y aura plus de CFE à payer. Les charges personnelles s'établissent à 628 131,30. Nous avons des charges exceptionnelles pour 1 414,67 € qui concernent des remboursements de location de salles qui n'ont pas été effectués. Et opération d'ordre, c'est la dotation d'amortissement de 8 226 €. En ce qui concerne les recettes, donc produits des services, 221 254, 69 241 pour le cinéma, 150 749 pour les spectacles. Dotation subvention, 862 148, c'est la subvention de la commune. Qui était versé à la régie. En chapitre 75, autres produits de gestion courante, 185 044, c'est les recettes de location de salles. Atténuation de charges, 2 849, ce sont les remboursements d'arrêt maladie. Produits exceptionnels pour 3 905,78 qui concernent des annulations de mandats sur exercice antérieur.
Donc, en investissement, bah, c'est la dotation, c'est le, oui, les amortissements qui sont donc une recette d'investissement. Voilà. Au 8226. Pas d'observation sur le compte administratif de si, monsieur Besançon. Oui, juste une remarque. On n'a pas en face le budget, en fait, donc c'est un peu compliqué de se prononcer. Il n'y a pas le budget en face, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué de se prononcer. Voilà, c'est tout. Mais après, sur le fond. Voilà. Mais il n'y a pas le budget sur vos écrans? Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que dans le, il n'y a pas le rappel du budget 2020. Oui, mais le document lui-même, il est là. Il y a le rappel, par définition. Dans ce qui est, normalement, c'est sur écran. Vous l'avez sur écran. Moi, je n'ai pas d'écran, j'ai ça. Hein, mais... Ah, si vous n'avez pas le budget total. Après, j'ai l'annexe. Ah, c'est ça. Ah, ça doit, bah, la maquette, c'est ça. Là. Ouais. Donc là, on peut regarder ligne par ligne. Ah, c'est évident. Donc ça c'est le jeu normal. Hein. Non, là, sur la ville, par contre, ça a été fait. C'est juste ce que je veux dire. Ok, vous avez compris. Ça, là. C'est la suite de la ville. Ouais, il y a le comparatif budget et compte. Vous voyez. Voilà. Il y a le réalisé 2023, il y a le réalisé 2022. Voilà. Et dans ce document, il n'y est pas. Voilà, c'est juste. Oui, mais ce document. Lorsque c'était la régie, enfin ouais. Là c'est la fin de la régie. Et c'était pas comparé, c'était on pouvait pas comparer. Présenté de la même façon. Voilà. Et on exactement. A conservé la présentation de la régie. Exactement. L'année prochaine, avec le budget annexe, vous aurez le réalisé 2023. Vous aurez une présentation homogène de l'ensemble. Avec le budget 2024. C'est voilà. C'est tout. Mais je comprends pas, monsieur Besançon. On me dit que vous avez la maquette, que tous les élus ont la maquette. À partir du moment où vous avez la maquette, vous avez la comparaison possible. Ah, la même présentation, ah, oui, d'accord, oui. Oui, bon, enfin, écoutez, là, franchement, là, je pense pas que ça pose de problème de lecture, hein, franchement, c'est pas compliqué, hein. Oui, oui. Excusez-moi, j'entendais pas. Bon, pas d'autres observations? Ben, je vais m'en retirer une autre fois encore. Monsieur Lièvre. Bien, mes chers collègues, nous sommes invités à adopter le compte administratif 2023 tel qu'il vient d'être présenté par Madame Ray. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Et je vous remercie et je vous remercie d'appeler Monsieur le maire à reprendre son siège. Administratif. Parce qu'on est encore là, enfin on était compte administratif et compte de gestion. Il n'y a pas de compte financier unique qui a été réalisé évidemment, puisqu'on a passé, on a changé le système, donc il n'y avait pas de raison de faire un compte financier unique. Eh bien, ben, je vous remercie. On passe au compte de gestion présenté par le trésorier, qui s'appelle plus le trésorier d'ailleurs. Le responsable du service de gestion comptable de Boulogne-Billancourt, comptable public assignataire, voilà. Et je vous propose de dire qu'il n'appelle aucune observation ni réserve sur
sur le résultat de l'exercice 2023, qui est d'ailleurs parfaitement cohérent avec le compte administratif qui vient d'être adopté. Y a-t-il des observations sur ce compte de gestion? Non? On peut passer au vote? Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Adopté. Alors, budget annexe de l'Atrium, reprise des résultats. Madame Ré. Oui, donc, suite à la dissolution de la régie, le conseil municipal a autorisé la reprise des résultats donc, à fin décembre 2023. Cela concerne donc les résultats de la clôture. Ça concerne également la reprise de l'actif de la régie culturelle à hauteur de 44 720,29 € et 75 € du compte dépôt et cautionnement versé. Et ça concerne également le passif de la régie pour un montant de 200 €. Donc le conseil municipal est invité à délibérer pour reprendre en recette de fonctionnement l'excédent de fonctionnement de 40 016. En recette d'investissement 11 482,42 € ainsi que l'actif de la régie pour 44 720, l'actif au compte 275 et pour le cautionnement pour 75 et le passif au compte 165 pour 200 €. Merci Madame Ré. Pas d'observation? On peut passer au vote, pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Fixation des taux de contribution directe pour l'année 2024, Mme Ré. On l'a déjà abordé tout à l'heure, mais enfin, c'est une confirmation. Hein. Ils sont là. Donc, fixation des taux. Les bases ont été réévaluées de 3,9%. Pour le foncier bâti et foncier non bâti. En ce qui concerne les bases de taxes d'habitation sur la résidence secondaire, elles n'ont pas été réévaluées avec les mêmes pourcentages, car il s'est avéré que suite aux déclarations faites par les contribuables l'an dernier sur leur patrimoine, il y a eu des réévaluations de bases erronées. Par exemple, à Chaville, les bases de THRS ont augmenté de près de 36% entre 22 et 23, alors que c'était 7,1% a priori. Donc, on a préféré être plutôt prudent et plutôt que d'appliquer une revalorisation de 3,9%, on a plutôt fait, on les a diminués de 18,08%. Ce qui fait que les bases donc de taxes d'habitation sur la résidence secondaire sont évaluées à 2 068 983 au lieu de 2 525 499 en 2023. Le foncier bâti passe de 42 002 656 à 43 640 760 et le foncier non bâti de 54 313 à 56 431. Donc les taux, comme vous l'a précisé M. le maire, ne changent pas. De ce fait, le produit 2024 estimé s'établit pour la THRS à 456 831, plus la majoration de 50% qui avait été votée en conseil municipal à hauteur de 191 005, la taxe sur le foncier bâti 11 276 772 et sur le foncier non bâti 12 483. La compensation versée au titre de la taxe d'habitation, de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a été évaluée à 10 591 435, ce qui nous fait un produit total attendu de 22 528 526. Je rappelle les taux, donc THRS 22,08%, taxe foncier bâti 25,84%, taxe foncier non bâti 22,12%. Merci Madame Ré. Je pense que tout le monde se réjouira de cette proposition. Est-ce qu'il y a des observations? Non? Il n'y a pas d'observation? Bon, on peut passer au vote. Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Abstention sur le taux de fiscalité. Vous voulez qu'on les monte? Mais vous pouvez donner une explication de vote.
vote, hein, ça me... Oui, oui, je peux... Au contraire, parfois je ne comprends pas. Alors. Oui, non, mais je pense que c'est important, effectivement, d'expliquer. La fixation des taux est toujours un exercice, évidemment, totalement central, hein, pour l'exercice du budget. Non pas qu'intellectuellement on pourrait tourner le truc en boucle, mais à la fin et au bout du bout, hein, faut pas oublier que c'est les Chavillois qui payent, et donc c'est le message, hein, c'est un des messages, c'est, si ce n'est le message principal quelque part qu'on envoie aux Chavillois et dont ils se souviennent, parce que ça c'est écrit dans leur feuille d'impôt, voilà. Donc c'est évidemment quelque chose d'important. Ça veut pas dire que le budget dans toute sa nomenclature, son détail, c'est pas important. Toute la ventilation entre les chapitres, on peut en discuter. Mais à la fin, effectivement, c'est ce que voient les Chavillois au mois de septembre dans leur feuille d'impôt. Enfin, mois de septembre, octobre, voilà, dans le foncier en particulier. Pourquoi abstention ? Parce que à certains égards, on peut se satisfaire et on pourrait tout à fait voter pour la stabilisation du taux. En même temps, on peut se dire on pourrait faire des efforts sur le budget, de là à baisser le taux, je ne pense pas que ce soit l'actualité. Mais il y a quand même des marges. Vous savez qu'on a des petits sujets désagréables. L'autre jour, on parlait du nombre de maires adjoints. Bon, c'est un point de détail, mais ça signifie bien qu'à un moment donné, on peut encore travailler et retravailler le budget. Mais n'allons pas dans ce point de détail. La stabilisation est déjà une bonne chose. De toute façon, à la fin, ça se traduit aussi par une augmentation, fondamentalement, pour les Chavillois. Et la base est là pour nous le rappeler. Et ils paieront fondamentalement 3,9%. Donc, stabilisation du taux, c'est une bonne chose. Réalité de ce que paieront les Chavillois, ça sera quand même plus 3,9. Et si le taux, lui, est stable, et on le verra tout à l'heure dans le budget, les tarifs, eux, vont augmenter. Alors, dans la même proportion, 3,9, mais voilà le choix politique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un taux qui est stable, vous décidez que le taux est stable. En même temps, sur les tarifications des services, vous décidez qu'il y aura une augmentation de 3,9. Voilà. Donc cet exercice de balance entre les recettes de fonctionnement et les recettes de fiscalité, voilà, il y a toujours cet équilibre, hein, qu'on peut discuter à l'infini, c'est votre proposition. Elle n'est pas forcément absurde à l'endroit effectivement de la fixation de ce taux. Et en même temps, ce que l'on dit, c'est qu'il y a encore matière à travailler cet équilibre entre effectivement les recettes de fonctionnement et les recettes de fiscalité. Merci Monsieur Besançon pour ces précisions, parce que je ne comprenais vraiment pas. Mais vous me confirmez. Comment vous évoquiez tout à l'heure l'atome, mais l'atome de mémoire, c'est GPSO qui l'a fixé. Bien sûr. Hein, voilà. Non, mais je disais, non, mais ça donné... me paraissait important, oui, mais... de donner cette précision, parce que ce qui nous intéresse, en tant qu'élus de Chaville, c'est de savoir ce que payent les Chavillois. Et sur leur feuille d'impôt que vous indiquez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la fiscalité de la ville, hein, fiscalité de la ville à laquelle s'ajoute la fiscalité, évidemment, du territoire dans une certaine mesure, hein, ça va de soi. Puisqu'on reverse par l'intermédiaire du FCCT une part de la fiscalité non négligeable au territoire. Il y a l'ATOM, il y a un certain nombre d'autres taxes qui sont, par exemple, la taxe du MAPI qui va à la métropole, il y a des taxes complémentaires qui vont à la région, en particulier pour le réseau express régional, etc. etc. Donc la feuille d'impôt du Chavillois, elle comprend en particulier l'ATOM. Et la TOM, c'est au niveau de GPSO que ça se passe. Hein. Et au niveau de GPSO, je veux dire que sa ville, par définition, a un rôle. Hein. Donc c'est un peu intéressant de savoir que la TOM payée par les Chavillois est la moins importante du département. Hein. Donc je ne vois pas en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire de dire ça. Mais il faut se réjouir ensemble, vous savez. On peut avoir, de ce côté-là, une satisfaction collective. Hein. Vous voyez toujours le mal quelque part. Bon, c'est dommage, il y a de temps en temps des choses bien. Bien, on peut passer au vote. On a voté déjà. On passe à la fixation des tarifs, justement, hein, puisque vous l'évoquez, on va en parler. Hein. Madame Ray. Oui, donc, comme vous venez de le préciser, on vient de le dire, les tarifs évoluent globalement de 3,9%. Sauf ce qui concerne le Forum des Savoirs et la téléassistance pour les seniors. Alors, en ce qui concerne les Forums des Savoirs, on les
a fait évoluer différemment, c'est-à-dire en ce qui concerne les conférences, elles évoluent, les tarifs évoluent de 10% pour la part inscription individuelle et de 16% pour la part inscription couple, parce qu'il y avait un gros décalage entre l'inscription individuelle et l'inscription pour les couples. Et également, nous avons fait évoluer différemment les tarifs de visite, des visites de monuments et d'expositions, où là, on les fait évoluer aussi de 10% en ce qui concerne le tarif par visite, alors que le tarif des visites globalement n'évolue que de 3,9%, de façon à privilégier les inscriptions pour un cycle complet. Donc voilà pour le Forum des Savoirs. Et en ce qui concerne la téléassistance, ben là on se tient à l'évolution, la revalorisation du marché. Donc là, cette fois-ci, cette année, c'est de 67%. Donc pour les seniors. Alors oui, une précision ultime, c'est que ces augmentations varient suivant les secteurs concernés. Alors, en ce qui concerne la téléassistance, elle est déjà en place depuis le 1er janvier. Par contre, ce qui concerne la brocante de Chaville, ce sera pour la brocante de l'année prochaine, bien entendu. Les tarifs des classes externées sont appliqués à partir du 1er janvier 2025 également. Et en ce qui concerne le Forum des Savoirs et l'atelier d'art plastique, ce sera applicable pour la saison 24-25, donc septembre 24. Les autres services à partir du 1er avril 2024. Merci, madame Ray. Monsieur Turini, je m'y attendais. Bingo. Enfin gagné. J'ai vu venir. Non, c'était juste pour, une fois de plus, remettre en perspective les tendances, parce que c'est vrai, comme on sectionne chaque année ces sujets, les Chavillois ont parfois du mal à les mettre en perspective sur la durée. C'était juste pour comparaison entre 2020 et 2024 sur ces différents tarifs. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La culture, elle prend 27,6% d'augmentation depuis 2020. Hein. Je m'en réfère au forfait saison du Forum des Savoirs. Les familles, elles, sur la cantine, c'est 25,5%. À l'inverse, les entreprises, hein, sur l'emprise chaussée temporaire, c'est 9,25%, et les commerçants, notamment café, hôtel, restauration, 9%. Donc voilà, on voit là aussi les différentes augmentations de tarifs qui sont quand même très différentes, hein, d'une population à l'autre, et puis le choix politique aussi que vous faites, évidemment, avec cette stabilité du taux d'imposition et cette forte augmentation de certains tarifs. Bien, vous avez une lecture des chiffres qui est un peu différente de la nôtre, apparemment. Madame Ray, bizarre, hein ? Avec des cases. C'était un problème de lunettes. Donc je ne peux pas vous répondre comme ça, je vais me replonger dans vos chiffres, parce qu'effectivement, vous me dites 25% d'augmentation pour la cantine, ça me paraît pas possible. Je vous dis franchement, pas possible. Bah non, pas possible. Le Forum des Savoirs, peut-être, effectivement, mais quand on voit d'où on est parti, où on avait des tarifs très très bas, moi je me souviens, quand on voit le dépliant du Forum des Savoirs, qui est magnifique, mais quand on calcule le nombre de conférences qu'il y a, il y en a une cinquantaine, si on les prend les unes après les autres, c'est deux ou trois, si on les achète, si on prend le forfait annuel, c'est 2 ou 3 euros la conférence. Je veux dire, c'est même pas le prix d'une place de cinéma à l'Atrium. Et bon, c'est pour ça, il faut voir aussi d'où on part. Alors effectivement, vous me dites, ça a pris, je crois, 10%, peut-être, mais depuis, et encore, je vais le vérifier, mais on part de tellement loin et de tellement bas, et puis il y a des distorsions dans la façon.
prenons les tarifs, l'augmentation des tarifs aux familles. En 2021, ils étaient de 5%. En 2022, 0%. En 2023, 5%. C'est-à-dire le cumul, c'est 10%. Hein? Alors, je ne sais pas où vous avez trouvé 25%. Hein? Pour la restauration, il n'y a jamais eu de... Mais il n'y a jamais eu d'augmentation des tarifs de la cantine de 25%. C'est pas possible. Hein? Oui, mais d'accord. Mais pour des raisons qui étaient... Pour une raison particulière. Évidemment, si on ajoute systématiquement en fonction... Ces 15%, ils correspondaient à une volonté politique partagée avec les parents. Hein? Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Et vous-même, d'ailleurs. Hein? Parce qu'à partir du moment où on voulait des repas qui soient de nature un peu différente, hein, évidemment, on arrivait à cette augmentation exceptionnelle hein, de 15%. Alors, franchement, il ne faut pas en tirer des conclusions définitives. Vous arrivez... Il n'y a pas de conclusion définitive en ce qui me concerne. Non, mais monsieur le maire, d'arranger la vérité. Prenez le temps de reprendre les chiffres. Je ne ferai pas de comparaison stupide. Mais vous avez une façon d'arranger la vérité qui est assez exceptionnelle. Laissez Annie le temps de reprendre ses chiffres. Elle le fera d'ici le prochain conseil. Elle constatera le montant 2020, le montant 2024. Elle fera le calcul en pourcentage d'augmentation. Et puis, vous verrez que nos chiffres sont tout à fait les bons. On a les tarifs de restauration scolaire, en plus, qui sont parmi les plus bas du département. Alors, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, vous êtes toujours en train de... Alors, ça rentre pas, je vous signale que ça rentre pas dans les tarifs au sens strict du terme, puisque la restauration scolaire, le produit de la restauration scolaire, il est perçu par le délégataire. Hein. Nous payons une compensation. Hein. C'est un peu différent. Hein. Donc, ça rentre pas dans les tarifs au sens strict du terme. Hein. Je précise. Hein. Alors, madame Mésadieu, vous voulez dire quelque chose? Merci, monsieur le maire. Juste brièvement, je ne sais pas d'où monsieur Turini sort l'idée que le budget culture, les contributions au niveau culturel ont augmenté. Je dirais pour le Forum des savoirs, si on compare et si on met en perspective avec ce qui se... Peut-être comme vous ne venez pas, c'est peut-être pour ça, vous ne vous rendez peut-être pas compte. Si on compare avec ce qui se fait avec les villes approximative, que ce soit Sèvres, Viroflay ou autre, on verra qu'une conférence de qualité, je dirais d'excellente qualité, revient à peu près à 10 euros par chavillois, sachant qu'on propose quand même aux personnes qui ne peuvent pas payer 10 euros un tarif préférentiel pour les étudiants, les chômeurs. Et par ailleurs, si on met aussi en perspective avec tout ce que nous proposons dans le cadre du café du forum, qui est aussi une continuité du Forum des savoirs, où les événements sont gracieusement ouverts à tous, aux chavillois et non-chavillois, vous verrez que 10 euros pour des conférences, que ce soit le Forum des savoirs ou le café du forum, ou les soirées philosophiques que nous proposons, sans compter les résidences d'écrivains à la médiathèque, vous verrez que la culture pour les chavillois ne coûte pas extrêmement cher. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment d'élever la population, et je crois savoir que la population est assez satisfaite, y compris sur le tarif que nous proposons. Et on peut se réjouir de cette richesse culturelle que nous offrons aux chavillois, qui contribue au rayonnement de notre belle ville et qui invite les gens à se hisser vers le haut. Donc je vous invite bien évidemment, cher Cédric, au prochain café du forum et éventuellement à la soirée philosophique que nous aurons, et peut-être qu'on pourra débattre et regarder au combien les conférences du Forum des savoirs ne sont pas chères eu égard à la pertinence, à l'excellence et à la richesse de la proposition que nous offrons aux chavillois. Merci. Merci, mes adieux. Pas d'autres observations ? Alors, je voudrais m'inscrire quand même en faux sur cette affirmation, entre guillemets, hein, selon laquelle on transfère les recettes hein, de la fiscalité vers les familles. L'augmentation des tarifs, c'est 3,9%. L'augmentation de la fiscalité, et en particulier à travers les bases, que nous ne fixons pas, c'est 3,9%. Pareil. On ne transfère rien du tout. Par ailleurs, le produit de la fiscalité directe, le produit que nous percevons, je ne parle pas de la compensation sur la taxe d'habitation, hein, je parle de la taxe foncière uniquement. La taxe foncière, c'est à peu près 11 millions d'euros de recettes. Là, les tarifs aux familles, ça produit 1 100 000 euros de recettes. Hein, 1 100 000, hein, si je me souviens bien. Hein. Alors, il n'y a pas de comparaison. Hein.
et ça représente en tout et pour tout 3,19%, je le rappelle, hein, du budget du budget de la commune. Hein. 3,19%. Pas exagéré non plus. Hein. Alors, oser affirmer que on transfère les recettes vers les familles, c'est un peu, je dirais, un peu excessif. Là aussi, c'est arranger la vérité, pour ne pas dire plus, hein, évidemment. Bien, pas d'autre observation. On peut passer au vote. Alors, avis contraire. Oui, c'est ça. Ça fait combien, ça? 7. Madame Macarman n'a pas donné pouvoir. Non. Non, c'est pour savoir, c'est une question. Hein. Donc 7 votes contre, abstention, n'a pas adopté. Actualisation, alors les actualisations d'autorisation de programme, bien avant le budget, nous avons Manérolles, La Chaloupe, Ferdinand Buisson et les Muguets. Hein. Madame Bray, rapidement. Bon, je pense pas qu'il y a de discussion à avoir là-dessus, il n'y a pas de présentation particulière, tout le monde a compris. Hein. Sauf une explication, des explications parfois sur les différences. Donc pour Manérolles, le montant de l'autorisation de programme au global ne change pas. Il s'agit donc de décaler dans le temps certains crédits de paiement. Ce décalage, c'est dû à des exercices complémentaires que nous avons été amenés à faire suite à des recours gracieux. Et donc, du coup, ben, ça modifie le calendrier des travaux. Donc, en 2024, les crédits de paiement qui étaient de 2.391.514 vont être amenés à 1.550.000. Et en 2025, au lieu de 3.587.000, nous aurons 4.428.785. Merci. Pas d'observation ? On peut passer au vote, pas d'avis contraire. Si. Alors, 4 avis contraires. Abstention. 3 abstentions. Adopté. Actualisation maintenant de l'opération du multi-accueil relais petite enfance, La Chaloupe. Oui. Donc là, c'est effectivement également un décalage dans le temps. Il n'y a pas de modification de la totalité de l'opération. Ce décalage dans le temps est dû à des études complémentaires de sondage de sol et également, je crois, à la demande des bâtiments de France, des modifications sur la façade, sur le permis de construire. Si j'ai bien mémorisé ce qu'a dit Christian Pampard. Oui, parce qu'on est dans les 5000 mètres. Oui, du château de Versailles, tout à fait. Et donc, des crédits de paiement donc, pour 2024 passent à 878 700. Et donc en 2025, ils sont prévus pour 1.415.638. Merci, Madame Ray. Bonne observation. Avis contraire. On n'a pas. Abstention. Alors, 4 abstentions. Oui. Adopté. Alors ensuite, autorisation de programme pour Ferdinand Buisson. Oui, alors là, par contre, Ferdinand Buisson, il y a une augmentation de l'enveloppe qui est due, en fait, à la plus-value sur le marché de travaux. Donc, une plus-value de 150.414 € TTC, ce qui nous conduit donc en 2024 à passer les crédits de 1.305.500 à 1.565.000. En 2025, ils diminueront un peu. Ils seront donc de 229 000 €. Et au total, le montant actualisé de l'autorisation de programme passe de 1 986 000 à 2 136 414. Merci. Pas d'observation. Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. Adopté. Le Muguet maintenant. Et enfin, donc, le Muguet, bon, ben là, c'est également un décalage de calendrier des travaux. Donc, le montant ne change pas, reste de 1 490 000 €. En 2024, les crédits donc, se diminuent de 307 000 à 160 000. En 2025,
ils deviennent 515 000 au lieu de 694 000 et nous aurons une fraction en 2026 pour 326 000 euros. Voilà. Merci Madame Ray. Pas d'observation ? Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Adopté. Alors, on passe sur la reprise sur provision pour risque de contentieux. On avait déjà évoqué ce sujet, je crois. Oui. Madame Ray. Oui, au dernier conseil municipal. Donc, il s'agit d'une on avait passé une provision de 82 000 euros concernant un risque de contentieux avec l'entreprise Rettler, qui était titulaire du lot menuiserie extérieure dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire Anatole France Les Iris. Il y a eu un protocole transactionnel avec l'entreprise qui se situe à hauteur de 70 014,18 euros. Donc, du fait que la situation maintenant est terminée, on peut donc reprendre la provision. Et donc, cette provision reprise sera inscrite au compte 7815 en 2024. Merci. Pas d'observation ? Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Adopté. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est des abstentions ? Très bien, 4 abstentions. Excusez-moi. Fixation de la durée des règles d'amortissement des biens, c'est budget principal et budget annexe. Madame Ray. Oui, justement, c'est du fait de ce nouveau budget annexe qui a des immobilisations à amortir. C'est donc l'Atrium, le budget annexe de l'Atrium. On est amené donc à devoir intégrer dans notre liste d'immobilisation à amortir le matériel scénique de l'Atrium. Donc le choix de la durée d'amortissement est de 10 ans. On rappelle donc sur cette délibération l'ensemble des matériels amortissables de la commune. On fixe à 500 euros la valeur des biens minimum pour qu'ils soient donc inscrits en immobilisation et amortis. Et on dit que pour des sommes de ce montant, l'amortissement se fera l'année d'acquisition. Merci. Pas d'observation ? Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Adopté. On arrive au budget que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut résumer peut-être un certain nombre de choses pour répondre aux questions. Oui. Madame Ray, Monsieur le maire, je pense que vous l'avez présenté. On ne va pas le reprendre in extenso. Donc, moi, je pense que je laisse le soin à nos collègues qui souhaitent poser des questions. On leur répond. Je pense que tout le monde est d'accord. Bien, est-ce qu'il y a des observations sur ce budget 2024 ? Monsieur Turini. C'est la dernière, après je vous laisse tranquille. Bon, je ne reviens pas sur l'analyse faite lors du rapport d'orientation budgétaire. Pas de budget climat, on a eu une slide climat, donc sûrement l'année prochaine on a le budget climat. Vous nous l'aviez promis, donc on l'attend, c'est comme le rapport de la questure. Je ne reviens pas du coup sur l'analyse qu'on avait faite sur la faible part d'investissement. Vous avez dit on se rattrapera l'année prochaine. Sur la baisse des dépenses sociales, là on n'a pas eu particulièrement d'explication. Il n'y a pas de baisse des dépenses sociales ? Si. ce qu'on constate, et là à nouveau, mais vous allez m'en vouloir, une pensée pour les familles quand même, puisque vous dites qu'il n'y a pas d'augmentation majeure de prix pour les familles. Je rappelle que les vacances jeunesse, depuis 2020, elles coûtent 10% plus cher, le périscolaire 15% et la cantine 25%. Dans le même temps, ce qu'on constate dans ce budget, c'est que quand bien même les charges de fonctionnement augmentent sous l'effet de l'augmentation des charges administratives, les dépenses aux familles et à l'éducation ont, elles, baissé 18% sur la période depuis 2020. Alors, on pourrait se dire, mais tout ça est compensé évidemment par plus de services aux familles. Je rappelle qu'aujourd'hui, on sert un plat de moins à la cantine, qu'il ne reste qu'une crèche publique à Chaville, que vous en avez fermé plusieurs, que l'accueil loisir, vous nous l'avez fait voter il y a peu de temps, cet été sera réduit, et qu'on manque toujours autant de places en centre de loisirs.
Donc, monsieur le maire, que ça ne vous plaise ou pas, on le rappelle, on le redit et on le redira. Aujourd'hui, cette stratégie de privatisation d'une partie des prestations aux familles est difficile à supporter. Et pour nous, en tout cas, elle n'est ni tenable socialement, ni financièrement. Bon, monsieur Turini, si je comprends bien, tout va mal dans cette ville. Les impôts, vous abstenez sur le taux de fiscalité. Les tarifs, ils sont par définition trop élevés. C'est les plus bas du département, mais enfin, par ça, c'est trop élevé quand même. Et les repas à la cantine sont insuffisants. Je vous rappelle que de toute façon, maintenant, on est revenu à la situation antérieure. La suppression d'un madame Levasseur pour un dire point, d'ailleurs. Absolument, on est revenu à la situation antérieure pour les propositions de plats à la cantine. Il y a deux entrées et un plat, un accompagnement, un dessert lacté et le dessert après, normalement. Je suis étonné que vous ne le sachiez pas, parce que vous avez des enfants à la cantine, si je me souviens bien. Je peux vous vérifier les menus de demain, si vous voulez. Vérifiez auprès des délégués de classe, des représentants au conseil d'école. Voilà. Vous avez peut-être des contacts. Possible. Bon, quant au reste, votre discours... On peut faire un tour à la cantine, si vous voulez. Vos discours sur les tarifs, de façon générale, je crois y avoir répondu suffisamment tout à l'heure. Madame Ray, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Pas d'autre observation? Bien, on peut passer au vote. Alors, on va passer au vote chapitre par chapitre. Donc, premier chapitre, charge à caractère général. 7 450 341. Avis contraire. Alors, avis contraire. 4 avis contraires. Abstention. 3 abstentions. Adopté. Chapitre 012. Charge de personnel et frais assimilés. 17 402 394. Avis contraire. 4. Abstention. Abstention. Adopté. Chapitre 014, attellement de produits, avis contraire. On n'a pas. Abstention. 4 abstentions. Adopté. Chapitre 65, autre charge de gestion courante, 8 847 220. Avis contraire. Abstention. Alors 7 abstentions. Adopté. Chapitre 66, charge financière. Ils sont en baisse par rapport à l'année dernière, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué. Sont en baisse. 396 576. Avis contraire. Alors, 4 avis contraire. Abstention. 3 abstentions. Adopté. Charge exceptionnelle. 20 000 euros. Avis contraire. Il n'y a pas. Abstention. 4 abstentions. Chapitre 68. Dotation aux provisions. 90 360 euros. Avis contraire. Pardon. Avis contraire, n'a pas. Abstention, n'a pas. Adopté. Virement à la section d'investissement, 2 071 521 euros 13. Avis contraire. Abstention. 7 abstentions. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 582 425 euros. Avis contraire. N'a pas. Abstention. 7 abstentions. On passe aux recettes. Chapitre 70. Produits des services du domaine vente diverses. 3 498 506. Avis contraire. Alors, 4 avis contraires. Abstention. 3 abstentions. Adopté. Chapitre 73. Impôts et taxes. Avis contraire. Abstention. 7 abstentions. Fiscalité locale, 23 733 627 euros. Avis contraire. Abstention. Alors, combien d'abstentions? Il faut suivre, madame Couteau, il faut suivre. Vous savez pas, si vous ne savez pas comment voter. Bon. Alors, 7 abstentions, je note. Hein, bon, d'accord, allez.
Chapitre 74, dotation, subvention et participation, 4 793 836, avis contraire. Abstention, pas adopté. Autre produit de gestion courante, chapitre 75, 480 105, avis contraire. Abstention, 4 abstentions. Chapitre 013, atténuation de charges, 196 868, avis contraire. Abstention, un pas adopté. Produits financiers, 78, 82 000 euros. Avis contraire. Abstention. Il n'y en a pas. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 109 030. Avis contraire. Abstention. 4 abstentions. Bon, pas bien. Adopté. Alors. En section d'investissement. Ah pardon, j'ai oublié le résultat reporté, oui, effectivement. Résultat reporté, c'est la palo de page, c'est pour ça. Résultat reporté, donc 002, 4 468 776. Avis contraire. Abstention. Alors, 7 abstentions, Madame Couteau. Cette abstention adoptée. Excusez-moi, oublier ça, c'était une paille. Hein, c'est pas... on passe en section d'investissement. Alors, chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 1000 euros. Avis contraire, abstention adoptée. Ah, il y a 4 abstentions sur dotation fonds divers et réserves. Ah bon. Excusez-moi, surprise. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 346 665,66 euros. Avis contraire. Abstention. 4 abstentions. Subvention d'équipement versé, c'est le chapitre 204, à 101 151 euros. Avis contraire. Abstention. Pas adopté. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 2 371 029,52 euros. Avis contraire. Abstention. 4 abstentions. Chapitre 23. Immobilisation en cours. 1000 euros. Avis contraire. Abstention. Adopté. Chapitre 16. Emprunt et dette assimilée. 1 323 604 euros. Là, c'est l'annuité de la dette, hein, je le précise. Hein, avis contraire. Abstention. 7 abstentions. Chapitre 27, autres immobilisations financières, 4267,80 euros. Avis contraire. Abstention. Adopté. Opération 1018, travaux école Ferdinand Buisson, 1 616 936. Avis contraire. Abstention. Adopté. Opération 1021, requalification du site Manérol, 1 818 499,36 euros. Avis contraire. 4 avis contraire. Abstention. 3 abstentions. Opération 1022, rénovation énergétique, site du Muguet, 204 394,12 euros. Avis contraire. Abstention. Adopté. Opération 1023, démolition, reconstruction, crèche, la chaloupe, 1 045 806,12 euros. Avis contraire. Abstention. 4 abstentions. Opération 1025, rénovation des cuisines dans les offices, 18 964 euros. Avis contraire. Abstention. 4 abstentions. Adopté. Opération d'ordre de transfert entre sections, c'est le 040, hein, 109 030. Avis contraire. Abstention. Alors, 4 abstentions. Adopté. Chapitre 041, opération patrimoniale, 500 000 euros. Avis contraire. Oui. Le chapitre 041 ? Oui. Opération patrimoniale ? Parce que c'est une opération purement comptable.
Madame Ray, mettez votre micro. Parce que c'est les écritures qui sont passées pour transférer, par exemple, les études, enfin, toutes les dépenses en lien avec des travaux d'investissement. Une fois que le projet est terminé, toutes ces études sont passées en compte 21, alors qu'avant, c'est en 20. Donc, c'est un jeu d'écriture à l'intérieur de la section d'investissement. Moi, c'est en 0,41. On a ce budget, on met ce budget de 500 000 euros bon, qui vient aussi, c'est en fonction des travaux qui sont terminés et que. Merci. Alors, je reviens. Chapitre 0,41. Contre. Abstention. Ok, merci. Adopté. Et 0,01, solde d'exécution négatif reporté, 76 405,56 euros. Avis contraire. Abstention, 4 abstentions, adopté. En recette, chapitre 13, subvention d'investissement reçue, 1 907 180,50 euros, avis contraire. Abstention, adopté. Chapitre 16, emprunt et dettes assimilées, 2 857 162,75 euros, avis contraire. 4. Avis contraire. Abstention. 3. Chapitre 165. Dépôt et cautionnement reçu. 2336 euros. Avis contraire. Abstention. Pas. Adopté. 1. À 4 abstentions. Sur dépôt et cautionnement reçu. Hein. Chapitre 165. Hein. Dotation, fonds divers et réserves. Chapitre 10. 594 427,76 euros. Avis contraire. Abstention. Adopté. Chapitre 27. Autres immobilisations financières. 1500 euros. Avis contraire. Abstention. Adopté. Chapitre 024. Produits des cessions d'immobilisation. 22 200 euros. Avis contraire. Abstention. On n'a pas. Adopté. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 2 071 521,13 €. Avis contraire. Abstention. 7 abstentions. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 582 425 €. Avis contraire. Abstention. Alors abstention, il y a quoi? 7 abstentions, 7 c'est ça? Ok, et vous retrouvez vos opérations patrimoniales en 0,41, mais cette fois-ci en recette pour 500 000 euros pour équilibrer les dépenses, hein, au même chapitre. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Je vous remercie, le budget 2024 est donc adopté. Budget primitif, toujours. Là, il s'agit du budget annexe de l'Atrium. Madame. Le budget de l'Atrium, donc, s'équilibre à 1 298 344 en section d'exploitation. Il se répartit donc en chapitre 011 657 054. Sont des chiffres à peu près équivalents à ceux du compte administratif, c'est-à-dire le cinéma 85 000 euros, les spectacles 223 500, maintenance 25 000, le remboursement des fluides et l'entretien des locaux à la commune 280 072 pour les plus gros montants. Les charges de personnel s'élèvent à 630 000 et donc elles ont été ajustées au compte administratif puisqu'il n'y avait pas de modification du personnel. D'ailleurs, à ce propos, je reviendrai sur une remarque de Mme Couteau en commission qui s'étonnait qu'on ait conservé ce montant alors qu'il lui semblait qu'un personnel était parti suite à au transfert de la régie. Et en fait, pas du tout. Aucun personnel n'a quitté l'Atrium, la régie de l'Atrium. Enfin, tout le monde est venu, a été repris, sauf une vacataire
qui de toute façon partait aux Antilles pour aller vivre aux Antilles définitivement. Donc ça n'a pas été une cause, la reprise n'a pas été, enfin le transfert n'a pas été une cause de départ. Je vois que Mme Couteau ne m'écoute pas, mais je lui ai fait la réponse à sa remarque. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, 10 euros, c'est pour le prélèvement à la source. En 67, 2000 euros pour d'éventuels remboursements. Et en 0,42, la dotation d'amortissement de 9 280. Les recettes d'exploitation, chapitre 70, elles s'élèvent à 230 726. Ça concerne donc la billetterie des spectacles et, pour 145 000 et le cinéma pour 70 000 euros. Dotation et subvention, c'est la subvention de la commune pour 853 852. En chapitre 75, recettes de location de salle d'un montant de 170 000 euros. En légère diminution, effectivement, les salles ETEX et le petit auditorium qu'utilise GPSO leur sera prêté gratuitement. C'est donc une minoration de 15 000 euros des recettes. Mais sinon, le théâtre et l'espace sous voie restent payants et ça représente 70 000 euros de recettes. En chapitre 013, atténuation de charges, 1750 pour inscrits pour des remboursements par les caisses, par la caisse de la sécurité sociale pour les indemnités journalières. Et le résultat d'exploitation de la régie culturelle de l'Atrium est repris en recettes pour 40 016. En section d'investissement, donc la section s'équilibre à 21 762,42. Donc les dépenses se sont inscrites pour ce montant et sont inscrites pour des acquisitions de matériel, de bureaux et de mobilier, ainsi que d'éventuels travaux dans la salle de spectacle. On a inscrit 1 000 euros en chapitre 16 emprunt pour des remboursements de caution. Et donc en recettes d'investissement, on retrouve cette même somme et on a également la dotation d'amortissement de 9 280. Ainsi que l'excédent de la section d'investissement qui est repris pour 11 482,42. Voilà, monsieur le maire. Si, Madame Ray, s'il y a des observations sur ce budget annexe, non ? On peut passer au vote, pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Effectifs communaux. Madame Fournier, oui. Ah pardon, excusez-moi, oui, effectivement, on aurait dû voter par chapitre. Est-ce que quelqu'un demande le vote par chapitre pour le budget annexe ? Non ? Très bien, donc nous avons voté. Effectifs communaux, les emplois permanents et non permanents. Alors, Madame Fournier. Alors, je vais essayer de faire de la pédagogie pour qu'on comprenne bien les structures, la structure des effectifs. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Là, à la date de ce tableau des effectifs, au 25 mars 2024, nous avons 328 emplois pourvus dans le tableau des effectifs permanents et 61 vacants. Je vais vous donner le détail. Dans ces 328 emplois pourvus, nous avons 199 titulaires et 129 contractuels. En flux, cela représente 4 postes en moins pourvus par des titulaires, ce qui résulte des mouvements habituels liés à la vie de la collectivité, des départs en retraite, des mutations, des fins de détachement. Les autres postes supprimés le sont suite à des recrutements qui intervenus sur d'autres grades. Nous avons donc parmi ces 328 emplois pourvus dans le tableau des effectifs permanents, 129 contractuels qui intègrent dans ce tableau des effectifs notamment 10 postes en plus pourvus par des contractuels et qui représentent principalement l'intégration des agents de l'Atrium. À ce total de 328, il faut ajouter 61 postes vacants, je vous l'évoquais au début, dont 40 sont en fait des grades supplémentaires pour faciliter les recrutements et 21 sont des postes réellement à pourvoir. Ainsi, nous arrivons à notre total de 389.
parmi les 21 postes à pourvoir, 4 seront d'ailleurs bientôt pourvus par d'actuels vacataires du service APAL, de la filière animation. Pour les effectifs des emplois non permanents, et c'est là qu'il peut y avoir effectivement confusion, il y a toujours 100 postes ouverts, mais qui ne sont pas tous pourvus. Concernant les éléments du rapport budgétaire, il est fait état des emplois non permanents, donc à savoir les vacataires, que Monsieur le maire évoquait tout à l'heure. Et là, on fait état des postes réellement occupés et budgétés au 1er janvier, enfin budgétés payés en l'occurrence, au 1er janvier de l'année concernée. En fait, on n'est pas tout à fait sur la même nature de document, sachant que le tableau des effectifs, là, ce qui nous est demandé en conseil municipal, c'est de voter aussi sur, le, sur les mouvements. Ça a été vu en CST le 8 mars dernier, et le tableau des effectifs est mouvant, fait état à une photographie à un instant T, évoque la vie aussi, les différents mouvements, la vie de la collectivité. C'est un outil juridique et de gestion des ressources humaines qui permet aussi de corriger certains doublons. Parfois, les agents peuvent apparaître deux fois. Ça arrive aussi, il y a des doublons sur des masses ainsi. Ils peuvent apparaître, quand il y a un agent en formation, il peut apparaître à la fois, ou en détachement, il peut apparaître à la fois dans le cadre de sa carrière administrative ou dans le cadre de son grade de détachement. Voilà, j'espère avoir été assez exhaustive et je me tiens à votre disposition. Merci Mme Fournier. Des questions, des observations? M. Turini, est-ce que vous êtes, vous avez compris le... Oui, M. Turini, je vous en prie. Sincèrement, ah oui. C'est vraiment du mal. Je comprends. Hein. Moi, je comprends que dans mais les c'est postes... Pas, c'est, reconnais que c'est pas évident. Non, non, mais c'est loin d'être évident. Ça m'inquiète qu'on n'arrive pas à le rendre plus clair, mais ça doit venir de moi. Mais il y a bien 199 postes de titulaires, on est d'accord? Oui. Vous rajoutez à ça les contractuels 129. Oui. Et vous rajoutez à ça les postes vacants. Donc tout ça, je les retrouve. Hein, on rajoute pas. Enfin, je veux dire, quand on compte le nombre de postes ouverts... Ah oui, non, mais voilà. D'accord, bon, enfin, on rajoute pas. Un poste vacant, ce n'est pas un poste qui fait l'objet d'une rémunération. Hein, oui, bien sûr. Dire. Mais on n'est pas coup, dans les âmes mortes de Gogol. Mais on du coup, pas en Russie, ici. Hein. Les 100 postes que vous citez après, ils correspondent à quoi? Les effectifs communaux sur les emplois d'emploi. Hein, 100 postes, là. Fin de la page... Les vacataires. Hein. Donc les vacataires, vous les faites apparaître nulle part dans les tableaux? Mais non, alors... C'est un tableau différent. D'accord, mais on voit quand le tableau non permanent. Non, là, on ne l'a pas parce qu'en fait, on n'a pas de mouvement. On est à 100 postes qui correspondent aux 100 postes qui étaient déjà ouverts en décembre dernier. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la délibération porte sur les mouvements. Et or, là, le tableau des emplois non permanents ne comporte pas de mouvement. Jadis, on n'indiquait pas dans les délibérations, de quelque façon que ce soit, le nombre Attendez. De vacataires. C'est uniquement à la demande de la trésorerie, il y a quelques années, je ne sais plus quand, hein, quelques années, qu'on a fait figurer le nombre des vacataires dans, les dans certaines délibérations, parce que sinon, la trésorerie refusait de payer les vacataires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les vacataires? Je vais vous le dire très, très franchement, hein, c'est tout. Hein. Assistant administratif, poste ouvert. On a trouvé le tableau des vacataires. Hein? Ah bah, si vous l'avez, soyez pas de mauvaise foi, le tableau des emplois non permanents, mais on a... vous le donne quand il y a des mouvements. En l'occurrence, là, il n'y a pas de mouvement. Mais, non, donc, pas, mais là, la Julie, plus grande Julie, partie... Il y a le tableau des effectifs après, il n'y a pas que les mouvements. En décembre dernier, le tableau des effectifs communaux non permanents, c'est ça. Hein, assistant administratif 2, hein, distributeur du journal 4. Vous m'accorderez, il ne fait pas un journal tous les jours. Hein. Le journal, c'est une fois par mois. Une fois par tous les deux mois. Une fois tous les deux mois. Hein. Donc, c'est alors attendez, monsieur le maire, moi j'ai trouvé, du coup, j'ai trouvé la réponse à ma question, on m'a même donné le tableau. Parce que, et moi ben en fait, alors... je cherche à comprendre une seule chose, d'accord. Je reprends le budget depuis 2020, je prends les charges de personnel, elles ont augmenté de 27,7%. Donc, ben oui, ensuite, elles ont augmenté par la suite de. Je vais voir dans les effectifs, j'essaye de comprendre la donne, d'accord. Donc je vois qu'effectivement, il y a une augmentation du nombre de postes au total, mais vous faites bien de préciser que tous ne sont pas pourvus. D'ailleurs, il y a une forte augmentation des postes non pourvus. Je comprends qu'il y a un tiers environ des postes non pourvus qui devraient être pourvus. Mais par contre, je constate... Non, mais non, pas du tout. Ben si, 20 sur 60, vous avez dit. C'est quelque chose de mécanique. On est forcé d'ouvrir des postes pour pouvoir prévoir... Non, non, j'écoute bien, vous avez dit 40, dont
s'ajoutent, auxquels s'ajoutent 20 qui, eux, ne sont réellement pas pourvus aujourd'hui et qui devraient être pourvus, vous l'avez dit. Mais il y a autre chose qui m'interpelle sur 2024, là, sur ce début d'année. On passe, si je compte bien, on passe de 226 titulaires, ce qui semble être un chiffre relativement stable, à 199. Moins 10% de titulaires, c'est un plan social. Et dans le même temps, les contractuels ont augmenté de 60% sur la période depuis 2020. Je suis toujours sur les mêmes bases. Hein. Donc moi, je comprends qu'il y a une sorte de transfert, c'est ça, entre les titulaires et les contractuels? Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de transfert entre les titulaires et les contractuels. Les chiffres ne mentent pas, monsieur le maire. Il peut y avoir des titulaires qui sont bons. Moins 12%. Là, vous feriez moins 12% de titulaires d'une année sur l'autre? Mais non. Par rapport à décembre 2023, on en a moins 4. Mais par rapport à décembre 2022... Ah non, mais attendez, on va parler depuis décembre. Je compare de mars à mars pour être un peu rigoureux. Donc sur une année, monsieur le maire, sur une année. Oui, écoutez, s'il y avait une invasion d'agents, on le saurait. Non, il y a des vacataires qui sont devenus contractuels. Il y a eu une politique de contractualisation de certains vacataires, notamment dans la filière animation, l'évoquer. Et ça, c'est pour lutter contre la précarité des agents. Ce sont des agents qui sont entrés. Il y a eu un effet de vase communicant entre le tableau des emplois non permanent et le tableau des emplois permanents. Oui, mais comme on n'avait jamais les vacataires, c'est difficile du coup de pouvoir analyser ça. Mais admettons, mais tu confirmes du coup qu'on a moins 12% sur un an de titulaires du coup ? Non, pas nécessairement. De 126, 199. Après, il y a des agents qui quittent la collectivité. En priorité, en fait, les postes sont ouverts. Quand le poste est ouvert, les recrutements en priorité sont proposés aux fonctionnaires, aux titulaires. Après, ça peut être des contractuels qui sont recrutés sur ces postes-là. C'est visiblement le cas. Pas nécessairement. Bien. Il y a d'autres observations pertinentes? Non? Il n'y en a pas d'autres? Bon, on peut passer au vote. Pas d'avis contraire. Abstention? Abstention, M. Turini, là. Abstention, adopté. Institution d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire, Mme Fournier. Alors, le budget évoquait les mesures en faveur des agents, ce que souhaite la collectivité, ce qu'elle a mis en place aussi en complément des mesures de l'État. Aussi, en concertation avec les représentants du personnel, nous avons organisé une consultation des agents en février dernier, la première quinzaine de février, afin de déterminer s'ils souhaitaient se voir octroyer la prime pouvoir d'achat. Alors, selon deux possibilités, deux modalités, afin de déterminer le montant de cette prime, soit 100% des montants plafonds définis dans le décret, soit 60% des montants plafonds, avec en complément couplé à une adhésion au CNAS pour l'ensemble des agents. Donc ça a été un travail intéressant, je dois dire, de construction, de pédagogie, là aussi, avec une réunion d'information, un travail d'accompagnement des agents, ce qui a abouti à cette consultation auquel ont participé 72% des agents. Donc on est satisfait. Et donc, qui entérine l'instauration de la prime pouvoir d'achat qui, à hauteur de 100% des montants définis par le décret, et ce qui va représenter pour la ville un montant de 155 800 euros, sachant qu'elle répond à des critères d'éligibilité, cette prime, et qu'elle concerne 81% des agents. Alors, pour les critères d'éligibilité, vous les avez. Ils sont mentionnés dans la délibération, c'est avoir été nommé ou recruté avant le 1er janvier 2023, être employé et rémunéré au 30 juin 2023, avoir perçu une rémunération brute ou inférieure à 39 000 euros, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. La prime pouvoir d'achat est dégressive en fonction des plafonds de rémunération sur la période citée. Et vous avez les montants en fonction des rémunérations. Et je vous propose donc d'instaurer cette prime qui sera versée aux agents sur la paye d'avril. Merci, Mme Fournier. Des observations ? Pas d'observation ? Pas d'avis contraire ? Non, pas d'avis contraire. Pas d'abstention ? Adopté.
des règles de gestion du compte épargne-temps. Madame Fournier, toujours. Alors, la précédente délibération date de mars 2023, vous vous en souvenez sans doute. Un nouvel arrêté au 9 janvier 2024 a été pris donc au niveau national et nous reprenons une délibération aujourd'hui. Cet arrêté permet une certaine souplesse, à savoir que le plafond global de jours peut être porté à 70 jours de façon dérogatoire contre 60 jours aujourd'hui, le plafond dans le droit commun. Et donc ce plafond de 70 jours dérogatoire pour le nombre de jours posés sur le CET des agents sera le cas pour les agents ayant une action directe et concrète dans l'organisation des JO. La liste des postes concernés a été validée lors du dernier CST. Il s'agit de la direction des sports, jeunesse, police municipale, CTM, cabinet du maire et pôle communication. En outre, l'arrêté précise que les jours qui excèdent ce plafond de 60 jours peuvent être consommés ou maintenus sur le CET au-delà de l'année N. Et donc, pour la lisibilité de tous, je pense qu'il était important que l'ensemble des règles du CET soient rappelées dans la délibération. Voilà, c'est le parti qui a été pris, c'est d'abroger la délibération précédente pour reprendre une délibération complète et que ce soit bien clair pour tout le monde. Et plus pédagogique, effectivement. Merci, Madame Fournier. Y a-t-il des observations ? Non ? Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Adopté. Nous passons au plan de formation 2024, Madame Fournier. Alors, est-ce que vous voulez que je le détaille ? Non. Non. Les choses sont claires. Je préférais poser la question. Voilà. Vous avez en tout cas le récapitulatif des différentes typologies de formation. C'est un document assez... non, mais je vous invite tous à le lire, parce que c'est un document pédagogique et... À notre destination, mais à destination des agents aussi. Et donc, voilà, c'est toujours important que les agents puissent utiliser ces outils-là. Donc, vous avez un récapitulatif des formations, des différentes typologies de formation. Que vous dire que la... Bon, vous savez qu'il y a une cotisation annuelle de la collectivité au CNFPT qui permet de bénéficier d'un catalogue de formations gratuites. En 2023, c'est un... Je vous livre ce chiffre-là. Les formations CNFPT ont représenté 308 unités de formation, ce qui est très satisfaisant par rapport aux années précédentes. Vous avez le graphique. Donc, il y a différentes formations en intra, en union. Concernant, alors, ça, c'est pour la partie CNFPT. Il y a également, évidemment, des formations payantes. Ça représentait en 2023 un budget de 55 397 euros, dont le détail était aussi présenté dans le document. Et à ce montant-là, faut aussi ajouter des formations qui peuvent être dispensées par des associations ou des organismes à titre gracieux. Tout ça pour vous dire que les outils sont mobilisés. Concernant les projections pour 2024, c'est donc, vous avez le détail du bilan, en tout cas la projection qui résulte de la campagne d'évaluation des entretiens individuels des agents en 2023. Donc c'est des demandes qui ont été formulées dès novembre dernier. Et le montant, peut-être vous donner le montant, le prévisionnel du budget pour les formations payantes en 2024, qui va s'élever à 76 824 euros. Donc avec une hausse importante. Oui. Merci, Madame Fournier. Y a-t-il des observations, Madame Couteau ? Oui, juste. Est-ce qu'il marche ? Oui. Deux observations. On rappelait que, comme beaucoup, on tient beaucoup à ce qu'il y ait le maximum de formations qualifiantes. Bon, là, il y a 18 personnes qui vont avoir une formation qualifiante pour un montant de 8276 euros. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres demandes ou si toutes les demandes de formation qualifiante ont été honorées ou s'il y en aura l'année prochaine. Parce que, Julie, tu as souligné l'augmentation, mais l'augmentation, elle est liée strictement au financement de la nouvelle formation management. Parce que sinon, on est sur le même budget, voire légèrement moins, si on enlève le
groupes médicaux. Le GCSMS. Le GCS, voilà, exactement, j'y arrive plus. Donc, en fait, si on enlève ça, on est, oui, à 2 000 euros près, exactement au même budget que l'année dernière, mis à part les 20 000. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est si, par exemple, je ne sais pas, puisque là, on ne sait pas combien de personnes vont bénéficier de la formation management, est-ce qu'éventuellement, si la totalité du budget n'est pas consommée dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des demandes complémentaires ou est-ce que ça peut être reporté ? Alors, sachant que c'est une projection 2024 et c'est un montant aussi qui peut varier parce que c'est des demandes qui sont enregistrées. Alors, il y a aussi les demandes qui sont parfois aussi refusées par les organismes parce que la session est pleine, parce que ça manque de participants. Il y a aussi ça. Donc, là, on est sur un prévisionnel budgétaire et il y a aussi des formations qui peuvent arriver en cours d'année et voilà, on est dans cette épure-là du budget. Après, c'est ça. D'ailleurs, si vous faites la comparaison par rapport à l'année dernière, ça a augmenté un petit peu par rapport à ce qui avait été annoncé initialement. Merci. D'autres observations ? Non ? Je vais passer au vote. Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Adopté. Alors, renouvellement du marché relatif à la location de longue durée des véhicules. Monsieur Panissal. Il s'agit de l'attribution d'un marché relatif à la location pour les véhicules pour les services de la ville. Une première procédure avait eu lieu en 2023, elle n'a pas abouti, donc il y a eu un classement sans suite. Après, on a de nouveau depuis janvier 2024 une nouvelle procédure. Une seule société a répondu, c'est la société SAML, pour un montant maximum de 1 million d'euros pour une durée de 5 ans. Et ce marché débuterait le 25 juin 2024 pour 5 ans, donc jusqu'au 24 juin 2024, avec un montant de 750 000 euros. Le montant du marché est estimé à 750 000 euros. Très bien. Voilà. Merci, M. Panissal. Des observations ? Non ? Pas d'avis contraire ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. Attribution de subvention communale à des tiers. On ne va pas faire la liste. Hein. Non, on ne va pas faire la liste. À Prévert, vous l'avez. Il faut souligner que l'enveloppe des subventions reste identique à celle de l'année dernière. Il y a des petites modifications, mais à la marge. Mais l'enveloppe est la même. Un certain nombre d'entre nous ne vote pas pour certaines subventions. Le cercle d'amitié de Chaville, moi-même, Mme Ray et Mme Tilly ne prennent pas part au vote. Pour la MJC, moi-même, mes adieux et M. Tardieu ne prennent pas part au vote. Pour l'Arche, M. Panissal et M. Lièvre ne prennent pas part au vote. Pour le Souvenir français, M. Panissal et M. Lièvre ne prennent pas part au vote. Pour l'Association socioculturelle arménienne, Mme Nicodème Saraljian ne prend pas part au vote. Voilà, sinon pour les autres, il n'y a pas de problème particulier. Est-ce qu'il y a des observations sur l'une ou l'autre de ces subventions aux associations ? Oui, M. Turini. Je profite de ce tableau de subventions et des subventions notamment aux associations de parents d'élèves pour vous confirmer qu'il manque bien une composante sur les 5 précédemment à la cantine. Donc, pour votre information, vous avez 5 composantes, entrée, viande, accompagnement, dessert, fromage. Et désormais, il manque soit l'entrée, soit le fromage. Donc, on a perdu une composante à la cantine, il faut le savoir, ces dernières années. Bah, très bien, Madame Levasseur. C'est revenu depuis quelques mois à un certain nombre de jours par semaine. Et alors, je ne me souviens pas de la date, mais ça a dû recommencer. Ça a dû recommencer. Ben, je peux vous présenter, là, si vous voulez. J'ai les menus pour les 2 mois qui à venir. C'est au 1er avril. Voilà, d'accord. Donc, c'est à partir du 1er avril où on revient à 5 composantes.
déjà revenu un certain nombre de jours par semaine. On anticipait, mais vous savez, c'est notre... Non, je peux vous présenter. J'ai le menu, là, sur moi. C'est notre habitude d'anticiper, vous savez. Hein? Bien, voilà. D'autres observations? Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non? Très bien. On peut passer au vote. Pas d'avis contraire. Abstention. Adopté. Convention d'objectifs et de moyens avec la MJC 25 de la Vallée. Madame Mésadieu. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une convention, je dirais, toute simple, dans la continuité. Et la convention arrivée à terme aussi, nous proposons une réduction pour les 6 mois à venir. Je vous fais grâce de toute la lecture et sachant du descriptif de cette convention. Si question il y a, je suis bien évidemment toute oui. Siégeons au conseil d'administration de la MJC. Donc on vous demande de renouveler pour une durée de 5 mois à compter du 1er avril jusqu'au 31 août 2024. Voilà, il n'y a pas de changement de la convention, simplement au point de vue date, effectivement. On approfondira les termes de la commission au profit d'un certain nombre d'actions en faveur de la jeunesse à partir du mois de septembre. Voilà, c'est ça la différence. Hein. C'est la question que vous vouliez poser, Madame Couteau, peut-être. C'est la question que je voulais poser, parce qu'effectivement, la réponse était intéressante en commission, c'est bien qu'elle soit partagée. Oui. C'est-à-dire l'objet, effectivement. Oui, tout à fait. Mais c'est en accord, évidemment, avec la MJC qu'on fait ça, hein, ça va de soi. Il n'y a pas de problème du tout. Hein. Pas d'observation du tout, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Pardon. Si, on avait demandé simplement en commission. Ah, pardon, excusez-moi. On avait demandé en commission si on pouvait savoir combien il y avait d'adhérents chavillois à la MJC, parce que l'ensemble des adhérents... Je sais, j'ai pas la les administrateurs savent peut-être, mais j'avoue que... Oui, voilà. La grande majorité des adhérents est chavilloise. Hein. Oui. Le total qui avoisine 1500 adhérents, mais on peut voilà. Madame Mésadieu. Non, c'est ce que je disais, Monsieur le maire. Je dis on avoisine autour de 1500 adhérents. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux. Non. Débat. Mais je regarde et puis je te non, dirai. Mais la grande majorité est chavilloise. Hein. Il y a quelques viroflésiens, il faut me reconnaître, c'est marginal. Bien d'autres observations? Non? On peut passer au vote? Pas d'avis contraire? Non, c'est prévu. C'est indiqué. C'est indiqué que dans la délibération, Monsieur le maire, Madame Mésadieu et Monsieur Tardieu ne prennent pas part au vote. Voilà. Je le précise. Je renouvelle cette précision. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Convention de partenariat avec l'ONF sur le parc forestier de la Maradon, Madame Dorizon. Oui, donc il s'agit de l'actualisation d'une convention entre la ville et l'ONF. Donc l'ONF est un EPIC, un établissement à caractère industriel et commercial. Cet EPIC est régi par le code forestier et a comme prérogative l'entretien et l'exploitation de la forêt, la préservation de la biodiversité et l'accueil du public. Ceci a son importance ici. Donc la convention concerne le parc forestier de la Maradan, qui fait plus de 15 hectares, dont l'ONF est propriétaire. Le parc de la Maradan est mis à disposition gratuitement par l'ONF, à condition que la ville prenne à sa charge et sous sa responsabilité toute la sécurisation des chemins ainsi que l'entretien des aménagements. Donc hors partie Acrobranche. Donc dans les îlots forestiers et entre les chemins, la sylviculture et le peuplement forestier seront à la charge de l'ONF.
Voilà. Donc l'engagement de la ville peut sembler très important. Cependant, le parc de la Maradan est un lieu très fréquenté toute l'année. La ville ne peut pas faire l'impasse sur ce lieu qui fait partie du paysage chavillois depuis toujours. Donc cette délibération est l'occasion d'aborder la question de la fragilité d'un milieu forestier, car beaucoup d'arbres, les châtaigniers, sont malades. Pour la gouvernance de cette convention, une visite annuelle du site par l'ONF et la ville est prévue et permettra les ajustements nécessaires adaptés. La première concertation entre services a déjà eu lieu. Donc, la convention indique qu'à terme, la gestion des déchets se fera par rapport volontaire. Actuellement, quand les poubelles débordent, les animaux viennent se servir et dispersent les déchets. Donc, la convention prévoit différentes actions de communication. Et en termes financiers, le coût d'entretien du parc est assuré par GPSO dans le cadre de la délégation des espaces verts et parcs arborés. Merci, Mme Dorizan. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention de partenariat? Oui, M. Turini ou Mme, M. Besançon, je ne vois pas bien, excusez-moi. M. Besançon. Non, M. Turini, c'est pour les chiffres. Ah oui, j'avais une petite question, mais je ne sais pas si ça peut prendre la place dans cette convention, mais on voit bien l'objectif, hein, effectivement, de mieux répartir les responsabilités. Mais du coup, donc ça c'est pour les cheminements, donc a priori pas de problème. Mais pour la question des îlots, du coup, effectivement, ce qui est à la charge fondamentalement de l'ONF, il y avait quand même pas mal de revendications, ou en tous les cas d'appels à ce que l'exploitant exploite mieux la forêt, avec ces histoires de gros engins, d'ornières, etc. Voilà. Alors on est chez eux, on est dans leur territoire et dans leur mode d'exploitation, donc on a probablement peu de marge de manœuvre pour faire évoluer leur doctrine. Néanmoins, du coup, là, on est dans ce périmètre où on conventionne à deux. Et est-ce qu'il a été question... Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exploitations sur la Maradan. Non. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exploitations. Non. Et du coup, est-ce qu'on a pu profiter de passer des messages où on a quand même quelques parcelles qui leur appartiennent de plein exercice? Est-ce qu'on leur a quand même passé le message qu'à cet endroit-là, on voulait un mode d'exploitation ou d'entretien, parce que je ne pense pas qu'ils exploitent, mais un mode d'exploitation un peu plus doux que d'habitude, quoi. Voilà, c'était un peu la question que j'avais. Et puis j'avais une deuxième remarque, parce que, alors, je ne sais pas si on peut l'évoquer, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une deuxième convention qui était celle de la Martinière, qu'on pourrait éventuellement ne pas renouveler. Je renouvelle ici, nous, notre envie de renouveler cette convention, parce que c'est un endroit qui est important, c'est un endroit de lisière. La lisière, à notre sens, peut demander une gestion un peu spécifique, et je pense que c'était le cas de la Martinière. Autant il y a des lisières qui sont peu fréquentées ou en tous les cas peu pénétrables, autant il y a une lisière là qui joue vraiment un rôle de lisière au sens que l'humain surfréquente même cette lisière, au sens où c'est une entrée principale. Ça fait même promener les chiens et jouer les enfants. Enfin voilà, c'est tellement proche de ce centre urbain de grand trafic à côté de la gare qu'il y a quand même un aspect. Voilà, c'est pas l'objet de la délibération, mais j'aimerais quand même que sur la Martinière on ait ce débat, mais c'est pas l'objet, mais comme on l'avait évoqué. Voilà, merci. Merci, Madame Dorizan. Évidemment, c'est, quand j'ai parlé de gouvernance, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir discuter le plus possible avec l'ONF et de faire part des inquiétudes des uns et des autres. Et on y travaille régulièrement. Voilà. Encore vendredi dernier, j'en ai parlé avec le responsable, qui est le directeur de l'environnement du département. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose auquel on est sensible et auquel on fait attention. Merci. Pour ce qui est du parc de la Martinière, on peut y réfléchir. Hein, moi, je n'ai pas d'avis définitif sur le sujet. Hein, Madame Dorizan, on a peut-être on n'a pas évoqué sur le parc de la Martinière. Il n'y a pas de convention en cours à renouveler. Si, en fait, on a fait le choix de ne pas la renouveler. Oui, voilà, c'est ça. Pour des raisons financières.
parce que ça a un coût. Oui, bien, c'est-à-dire c'est un coût pour la ville, c'est évident. Alors maintenant, le fait que ce soit une lisière, oui, mais ce n'est pas pour ça que le parc La Martinière va changer de nature. Hein, c'est un petit endroit, hein, pas l'oublier quand même. Hein. Il ne va pas changer de nature pour autant si on ne renouvelle pas la convention. Hein, et d'autre part, dans la convention avec le département, il y a une partie sur l'accueil du public, donc à cet endroit-là même, de la forêt transreposée. Mmh. Il y a un projet de l'ONF, financé par l'ONF, là, et le département. Ce sera mieux fait par l'ONF. Bien, pas d'autre observation, on peut passer au vote. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Révision du dispositif d'aide financière en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat, monsieur Ernest. Juste avant, monsieur le maire, monsieur Ernest me passe la parole, donc je la prends bien volontiers pour apporter une précision à madame Couteau concernant le nombre d'adhérents à la MJC. Donc nous sommes passés de 1695 à 1872 adhérents, chère Monique. Merci. Un plaisir. Mais ça ne répond pas à la question. Mais déjà, elle voulait avoir le nombre d'adhérents, mais prioritairement des Chavillois de toute façon. Mais ceci étant, voilà, on est passé de 1695, je répète, à 1872 adhérents avec de nombreux Chavillois. Mais je ferai la demande à Rémi pour avoir le nombre de Chavillois précis pour satisfaire l'interrogation de ma chère Monique. Bon je ne sais pas comment il faut prendre ce genre de remarques, mais je trouve que quand on pose des questions en commission, c'est parce qu'on a déjà travaillé au sujet et qu'on est intéressé à savoir comment évoluent les associations chavilloises, parce qu'on a fait le remarque en commission qu'un certain nombre d'associations perdaient en nombre. Et donc on se posait, on a essayé de réfléchir au pourquoi de la perte. Bon, on a évoqué différentes questions, et donc je trouve que la question qu'on a posée sur la MJC, et comme on en a posé sur d'autres, était tout à fait légitime. Il ne faut pas voir de malice à ma réponse. Hein. J'ai été chercher la réponse, je la porte, il n'y a pas de malice. Je comprends fort bien que nous soyons intéressés par le nombre d'adhérents chavillois. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine d'aller chercher la réponse à la question qui avait été posée, sans malice aucune, encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait de la malice là-dedans. C'est sur la façon de répondre, pas sur le contenu, bien sûr. Oh. Bien, pas d'autre observation. D'aide financière pour la rénovation énergétique de l'habitat, monsieur Ernest. Bonsoir, donc comme vous le savez, GPSO apporte une assistance aux habitants du territoire pour la rénovation énergétique des bâtiments et des copropriétés. Et ce dispositif a été récemment renforcé. Les communes peuvent faire le choix d'abonder ce dispositif. C'est le cas de Chaville, je crois qu'il y a aussi la ville de Sèvres. Donc la particularité du nouveau dispositif qui est développé par GPSO, bon, il est un peu plus complexe, mais il permet de subventionner les opérations qui garantissent un niveau de performance énergétique. Vous avez différents niveaux de performance qui peuvent être visés par les pétitionnaires. Et puis ce qui est aussi nouveau, c'est le critère social. C'est-à-dire qu'on va aider les pétitionnaires, les demandeurs, en fonction aussi des revenus. Donc ça, c'est un point intéressant. Et la ville de Chaville donc, a décidé de mettre un dispositif pour abonder l'aide qui est portée par GPSO. Donc on a fait le choix d'abonder pour les très modestes, modestes et intermédiaires. Bien sûr, si on a un niveau supérieur, on peut toujours aller chercher aussi la subvention de GPSO. Donc cette délibération vient remplacer celle que nous avions votée en janvier 2020. Sachant que peut-être en complément, nous renforçons les discussions aussi avec l'ALEC, hein, l'ALEC qui est l'Agence locale de l'énergie du climat, puisque comme le dispositif est un peu plus complexe,
dans le cadre de la permanence, voilà, les demandeurs vont être mieux accompagnés aussi dans le montage des dossiers. C'est fait aussi en liaison étroite avec le service urbaniste. Dès qu'il y a des projets donc, de rénovation énergétique, d'aiguiller les demandeurs, les pétitionnaires vers les dispositifs d'aide. La permanence de l'Alex se fait maintenant à la maison de la transition écologique, c'est ça, hein. Qui a ouvert ses portes, au sens strict du terme, une opération porte ouverte. Samedi, au moment de la brocante, ça s'est bien passé, je crois. Dimanche, je suis bête. Bien sûr, bah hier, c'est le temps. J'étais déjà en vacances, moi. Bon, ça s'est bien passé, je crois. Bien, pas de questions particulières sur ce point. Bien, on passe à la liste des décisions prises depuis le dernier conseil municipal, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur l'une ou l'autre de ces décisions? Non? Pas de questions? Madame Couteau? Non? Pas de questions? Très bien. Parfait, bah écoutez, je vous remercie. La séance est levée.